Chers ultras, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, comment ça va? Comme vous pouvez le voir, on est en watch party aujourd'hui et accompagné de deux cracks. On a un gros Maloc sauvage ainsi qu'un Zach. Bien le bonjour. Hello. Messieurs. Je vais voir ce que ça donne, j'ai même pas vu ce que ça donnait. Mais c'est très sexy, hein. C'est très 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 bon ça. En plus de ça, vous avez une triple cam avec Groma et une casquette. Ouais. Attends, mais Dab, tu mets pas ta cam, ça, Zach? Je la mets de temps en temps, Mais là, attends, c'est bon normalement. A fucking go, man. Allez, let's go, baby. Let's go. Est-ce qu'on a des changements? Wouh! Oh, le casseur, il est fou. Le casseur, il est fou. Il s'est chauffé de ouf, gros. Ah ouais, il s'est chauffé de fou. Ok. Et on sent la, oh la crowd. Oh my god. L'IMAX déjà. Oui. La grosse double directement. Oh, oh l'IMAX qui tombe sur les locaux et qui les explose, gros. Ouais, ouais. Attends, mais il y a une autre équipe. Ouais, autre équipe Destroy. Qui ont changé de strat, hein, ils allaient pas là hier. Surprise, motherfucker. Ah, y'en a un qui va surprendre, gros. Ah, bah Team Wipe pour Izund déjà. Izund, déjà j'ai bien call les derniers. Team Wipe pour l'instant. Mais non, déjà. Je te jure, ah ouais. King Aegis les a wipe. Attends, mais ils ont quand même joué 15 secondes. Hmm. 15 secondes, c'est pas mal pour démarrer la journée. On le rappelle, là on a 8 games à regarder, les gars. Oh là là. Et Vita. Vita, bon petit star, ils ont leurs armes. Zach, c'est vrai, Zach a un très très bon head glitch. Là, c'est mieux là, non? Non, mais je dis que gros, c'est juste que ça me fait rire, gros. Mais là, en vrai, là j'ai toute ma tête, non? C'est parfait. Non, là, c'est parfait. Là, c'est parfait, frérot. T'as le head glitch? J'ai le head glitch. Le meilleur head glitch du pays, ils ont dit. Espagnol. Ce roi. Et Tenux, JTech et Lolam. Mais tu sais que vraiment, Elo. Eux, je les vois bien faire quelque chose. Je te jure. Ah! Oh shit. Nice. Non, good shot, good shot. Oh my god, c'est dangereux d'aller finir. Bien, ah, bonne finesse. Direct, ils sont sur. Ça bouge bien. Ouais, ça joue très bien. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Et ouais, t'as Skullface que déjà là, gros. Ouais, Fnatic. Et heureusement, il reste Tinux. Tinux, il va au drop à tous les coups. Toujours, ouais, toujours. Toujours une dernière vie, mais c'est le plus fou. Et là, il y a Smith contre. Oula, on a pris un knock. On a pris un knock sur un bunker. Allez, faut collapse. Oh là, j'aime bien, le move est oh, bon. Le jump. Oh, c'est dommage. T'es pas payé. Et l'autre, c'est Self. Nice, gros kill. Ah, il chase bien. Et ils ont les infos maintenant avec le drone. Nice. Twisted Mind. Ils ont un gros capital sympathie, on va pas se mentir. Ah bah. Mais regarde ce coin de la map, frérot. Voilà. C'est quand même hilarant. Voilà. Hisoka tout seul. Ah non, c'est. Ouais, c'est Hisoka ouais, au snipe. Mais il donne les infos. Et il donne les infos pour ses teammates. Oh là là. Ah, mais ils savent pas, gros. Non, ils savent oh, pas. Fait, oh, Shifty oh, Shifty s'est fait chiffon, gros. Là, ouais. Oh là là. Oh là là. Il traque, l'autre il joue bien sa vie. Est-ce qu'il veut Richard? Il a trop bien joué. Oh là 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 là. Oh, il a eu. T'as vu les cris quand ça prend un kill? Bah ouais, gros. Je sais pas si c'est des cris. Non, mais t'as vu comment Hisoka était crispé? J'ai vu que c'était Hisoka qui était en train de chase, gros. Ouais. Il lui manque une. Ah, il donne l'info. Hisoka qui a dû donner l'info sur le mec au-dessus. Ah non, Hisoka qui est descendu, il n'y a plus d'infos. Ah, il a lâché. Ah ouais, non, il y a vraiment let's go Falcon. Ouais, ouais, non, il y a du monde, waouh, il y a du monde, hein. Falcon. Par rapport aux autres joueurs. Ah, ils sont payés, eux. Ouais, bon, vous allez me les supporter. En même temps, les mecs, pour une fois que t'as un club qui explose tout le monde, c'est plaisir. Eh, Wiki, mon petit pic de la journée. Après, c'est, on a Falcon, on a quand même le club qui achète tous les meilleurs joueurs du monde. Ah bah, je te jure. Impatient de voir sur Apex ce que ça va donner là avec Imperial Hall et tout. Oh là 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 là. Ça va être très bon à regarder ça aussi. C'est quand on a l'équipe de Soka, Shifty qui viennent dedans, deux des l'équipe des Australiens, là, Levi et Dymax. Holy shit!
Vita sur le move aussi. Patsuka qui prend un petit heal. On a encore seulement que un wipe, hein. Ça se wipe ou pas pour le moment. Kincaid il se régale, gros. Par contre, ils se démerdent bien les Saoudiens. Woods qui prend quand même le kill sur Sirmet tout. Ouais, parce qu'il s'est fait chase par une première équipe. Il y a Shifty qui tombe dessus. Tu reviens, il y a. Là, l'explosion. Nice. Good kill. Finds him and cleans him on up. Just gonna take a quick look at our kill leaders here. Fnatic leading. En fait, ce qui fait aussi la différence, c'est ta capacité de résiliation à respawn. Arriver à prendre un bon kill avec sans tes armes pour récupérer le loot d'un mec. Ok, toujours allemand de la tourelle. Et là, tu sens qu'il y a personne qui est venu en touriste, à part peut-être l'équipe qui s'est fait wipe instant, mais sinon, tout le monde en veut pour son argent là. Bah, frérot, en fait, là, t'as le cash prize sur les 4 dernières années à te faire. À part ceux qui ont été invités au World. C'est ça. C'est ça, tu peux doubler tes earnings en un jour. T'avais gagné combien toi? T'as combien de earnings toi actuellement? Je pense que je suis à genre 40-40 comme ça, je pense. 40-50. Mais... c'est bien. Ouais, puis il y a les tournois officiels, les tournois officieux, tout ça. Ok, c'est bien déjà. En officiel, 20k de Call of. Et puis après, il y a eu à côté. En mode bresson. Les combats sombres. Comme en mode, il faut pas dire. Faut pas déclarer. Je rigole. Ouais, t'as raison, tu vas pas leur donner 50% tout le temps. Tu paies ta fibre. Je fais ma fibre déjà. Et Dongi, magnifique, 6 kills. Ouais, Dongi, gros, vraiment, il est. Test de croisière. Il est dur à arrêter, Dongi, hein, sur ses 3 premiers jours. Hein. C'est vrai. Mais ouais, c'est un MVP. C'est une bonne surprise. Parce que l'année dernière, bon, son escouade World Series n'était pas génial. Clairement. On a Tinux qui a pris la position de Almonda. Oh là là. Ça stack, hein, du côté Vita. Ça stack un peu trop d'ailleurs. Oh my god. Oh my god. Oh là 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 là. Ouais. Oh, t'es mort pour Anxion. Ah ouais, là il le chase. Wipe. Oh my god. Ouais. C'est un wipe pour l'équipe Vitality. On est sur Falcon. Ah là, mais en fait. Personne. Non, mais surtout en fait, c'était tellement propre. Le missile est tombé. Il avait la ligne. Il avait juste à attendre que ça passe dedans. Ouais, ouais, pour Tenux aussi. Tenux qui sort au mythe. Ouais. Tenux le frère, putain. Vitality qui tombe, les gars. Harry, attention, il y a 7 games encore, ça veut rien dire. Nice, team wipe pour les Brésiliens. Team wipe pour... ah non, je pétais un pot. Après, moi, rappelle-toi, je vois en avance, j'ai le... Ah ouais, toi, t'as le Haki, gros. Par contre, tu vois, Prodigy, Aoki, Adwiz ont vraiment bien contrôlé leur zone. C'est ça, c'est leur force. C'est vrai que je les vois très très bien arriver au top 5 comme ça. C'est leur force. Ça joue bien. Après, ce que j'ai par contre l'impression, c'est que sur Rebirth, à défaut de... enfin, comparé à Durzixtan où ça se place assez tôt, là t'as vraiment personne qui fait de rota ou essaie on a rien à foutre de la zone. En fait, vaut mieux sortir les équipes, créer de l'espace. Après, c'est quand même très très facile de faire de rota. Je suis d'accord. Parce que, en fait, c'est le pool à la fin qui détermine, je sais pas. Et ouais, et le dénivelé est quand même exceptionnel partout, tu vois. Genre, tu peux évoluer partout. Par contre, il y a Soka, ça et tout, ils ont cramé absolument tout leur stuff. Tout leur argent pour tout ça pour Almonde dans la tour. Ouais, ils ont envoyé 2 missiles, mais ils savent que c'est lui en même temps. Hein. Mm-hmm. Par contre, ils ont du kill. Hein. Les cochons, ça a bien frappé déjà. Ouais. Ils ont déjà 13 kills. Il y avait 5-5-3. Oh là là. Chifty qui prend son temps. Oh, la termite. On l'a touché, non? En fait, ils prennent vraiment le kill de façon intelligente. Vous avez vu comment personne commit. Ils attendent tout ça. Ils se resserrent. Histoire de mettre le beam en même temps.
C'est ce type. Shifty qui avait pas ses armes. Là, Oeki qui joue un angle, il joue un Fangle. Ah, il le sait. Ça joue Flash, Flash Mine du côté de Shifty, son loadout. Il la Flash, bah regarde. Para, para. Bah ouais, voilà, il la para. Bah, la para, c'est vraiment trop intéressant. Gros fight, gros, gros fight. Nice. Ouais, ça, ça, ça backup, ça backup. Ça joue Mine en même temps à côté, putain. Ouais, ouais, il joue. Quoi en état de... Ouf, wow. Bien. En fait, la Mine te condamne vraiment un endroit, même si elle fait pas beaucoup de dégâts au final. Tu sais, c'est quand même gênant de savoir que tu vas courir sur une mine. Complètement. Et là, ils continuent. Ils vont pas les laisser partir. Ah, ils vont pas les laisser respirer là. C'est, ils sont en train de les étouffer. Ah, et un 3v2 dans le bâtiment. Donc, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, ce qui est quand même. C'est un peu le maillon faible de l'équipe là depuis deux jours. Ouais. Il met pas trop d'impact. Oh, ça se fait T-bag. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Première game de la journée. Ils savent qu'ils sont deuxième. Ils savent que c'est les deuxièmes sur le papier. Donc, Oh, ils sont cagrons. Il fait ça en LAN, gros. Il a vidé le chargeur sur lui après l'avoir interrogé. Oh, j'adore ce comportement, gros. Je vais pas te mentir. Mais en vrai, ils ont raison, gros. Ils ont raison de détester tout le monde, gros. Genre, tout le monde les a insultés, les a traités de cheaters. Ils ont l'ascendant moral sur tout le monde. Ils ont l'ascendant, ils dominent tout le monde. Genre, là, gaucher sur tous, gros. Nice. Ça exécute. Il reste encore du monde, hein. Franchement, là, on est 27 joueurs sur une zone 5 bientôt. Là. Résu désactivé, hein. Et l'IMAX qui est au sol. Qui va se faire bloquer. Ouais. Soka qui récupère Aoki au snipe. On a les points à droite, vite fait, les points actuels. Donc Vitality qui s'est fait wipe avec 5. Levi qui est wipe aussi. Vita. Ouais, les Australiens wipe. Là, ça va être clutch, hein, ce qui va se passer. Oh my god, le grid! C'est deux équipes différentes. Eh oui, mais ils pensaient. C'est deux équipes différentes. Aïe, aïe, aïe. Là, il s'est fait scam. On a encore la zone. La zone qui est vraiment posée, par contre. Hein. Bah voilà, c'est là le pool qui est. Et t'as Falcon très bien placé, hein, pour gagner. Bah oui. En fait, t'as trois teams qui sont dans le même secteur, qui sont bouchonnés. Et t'as Falcon, toujours bien placé, toujours Falcon dans l'anticipation. Et aussi en bottom. Falcon qui ont réussi à faire une rota de haut en bas en deux secondes. Mais en fait, ils ont chase Advis, et après ils ont chase Lot qui allait dans ce bâtiment, et ils ont pris la couleur pose. Hein. Exactement. Et là, vas-y. Le tout en faisant le border, gros, en étant tranquille. L'information est donnée, c'est l'équipe Bizoka. Très bonne smoke, mais malheureusement, Nux qui retombe. Et là, il y a du kill. Hein. Oh là là. Allez, vision. Vraiment beaucoup de kill. Hein. Ouais. LC4, j'avais pas capté qu'il allait aussi loin que ça. Toujours. Et Team Fnatic, ouais. Il coupe la rotation, il lui empêche de venir dans ce bâtiment. Tu ne viendras pas dans ma maison, il lui dit, gros. Oh, vision qui prend les dégâts, c'est Team Maiden qui va récupérer. C'est oh my god, le shoot. Oh my god, oh my god. Oh là là, il se gave. Qui sait qu'elle coule. Ah, le poulet au milieu un peu. Ouais, c'est quand même mieux placé pour eux. C'est mieux pour eux, ouais, je suis d'accord. Ah, mais mec, en fait, il y a le petit muret juste à droite qui est exceptionnel. Il est encore en vie à 3. Aussi, et AB Wiz. Ah ouais, putain, Kams qui a encore envie. Et il y a une tech là, qui fait un move de gaz. Oui, oui, il fait un move de gaz de fou. Ouais, bon, voilà. Il prend du bon espace. C'est bon, le move gaz est terminé. Ils ne pouvaient pas tenir plus longtemps. Et là, ils sont très bien. Ils voient les head glitch pour tenir. Ils sont très très bien, Soka. Et surtout, en fait, la team de 3 là, ils vont se charger. Oh, Smith. Ah, ils sont partis devant. Il va y avoir peut-être un fight. Et c'était les Espagnols. Allez, qui vont pouvoir. Bonne lecture de la part de Soka. Ouais, là, le gros C4. Soka qui prend la double. Oh là là, bien joué. Et il rebat quand même. Il a la dernière. Oh, triple knock. Triple knock avec la mortar. Le destin. Oh, Smith qui tombe aussi. C'est pas possible. Oh, Soka qui se réanime du coup. La chatte ADD, c'est pas possible. Ok, c'est bon, ils sont deux en vie. Et là, c'est les Espagnols qui peuvent capitaliser là-dessus. Non, Caps qui tombe. Et les deux qui ont fait une rota, la 12, non, c'est... Non, 2v2v1, 2v2v1. Ouais, ouais. Ils sont où, là, les 12, ils sont oh dans... Ah oui, ils sont ouais, dans le château, ok. Ah bah, ça peut gagner, ça.
Ou alors c'est Smith. Ouais, non, ça va être compliqué, ils ont pas d'armes. Vraiment mal staff, hein. Il faut pas rater son timing. Oh my god. Comment il a réussi à passer à la fenêtre, je comprends pas. Non, il doit pas. Et là, il va un bon glitch pour faire les trucs. Ok, regarde si quelqu'un joue pas un off angle. Personne. Daydan, on est vraiment bien placé quand même. Hein. Je ouais, ouais, je suis d'accord. Mais les deux derrière poteaux, ça me fait peur, moi, un peu. Ah, Hisoka va prendre l'aggro des deux équipes et c'est après qu'ils vont se. Là, il va devoir tanker le gaz, gros. Et là, eux, il faut qu'ils réfléchissent un peu pour gagner, là. Ils pourraient gagner. Les Espagnols. Oh, la frappe! Il l'a pas vu. Oh, il a ouvert un poste. C'est teammates qui doivent comme ça, là. Hein. Et non, mais eux, ils focus trop le kill au lieu de focus leur win. Il a mis l'aria. Il a réussi à prendre une aria. Bon, je vais le kill en l'air là. Ils vont mourir du gaz. Ouais. Bah, c'est Eden qui va gagner la première game, les gars. Ouais, Eden prend net 2 kills. Shifty qui va tenter de bait pour laisser Soka revenir. Oh my god, grosse game hein, du côté d'Eden. Oh my god. Let's go, Eden. Come on, baby. Let's go, Eden. Et le pick de show qui gagne la première. Oh, les gars, that's my call. Oh my god. J'ai des frissons, les gars. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Ouah, le triple knock dans les deux sens là, le fight. Non mais, non mais gros, le triple knock, et quand il va pour les terminer, boum, il se prend le knock il à son tour. Une frappe, c'est n'importe quoi. La cluster qui a fait un job de zinzin. Je te jure, c'est une cluster, mais dans, elle a explosé mais, tout. La cluster téléguidée, gros. Combien de kills, les gars? 15. 25. Tu déconnes. 25 kills, gros. Tu déconnes. 25 kills, ouais. 25 kills, mec. Oh, 50 points sur la first. Vas-y. Game numéro 2 de... C'est parti, let's go. Et on avait vu le classement là pendant que vous parliez de Toronto, de Montréal. Il y avait le classement et il y a des équipes qui sont vraiment passées à côté de leur première. Ah bah quand tu vois 50 points et que t'en as 5, gros, je suis pas bien. Donc Aidan premier et Falcon deuxième. Hop là, on arrête tout là. J'avais raison. Voilà. Je l'avais call. Ouais, let's go. Qu'est-ce que ça va faire, les gars? Arrêtez de rater dans les murs par contre, vraiment c'est trop. Ouais, mais c'est. Après, je te jure que si on mettait cette POV sur nous, surtout, sur. Tu vois, il y aura toujours le timing, genre. C'est. Nombre de fois où il regarde pas bon au bon endroit, mais nombre de fois où il regarde au bon endroit. Magnifique ça. Tu vois là, il a pas vu venir. Oh, incroyable. Oh, oui, merde. Le fou là-haut là. Il prenait la triple. Non, mais attends, mais soit là ils étaient wild, soit. Non, mais gros, il a pris le full de personne, gros. Il a 0 kill. La scam. Oh, l'erreur. Et toi, Sho, vu que c'est le début de game, c'était quoi ton top de map là? Top map, vers mouvement map, Warzone 1. Ouais. Puis celle-ci. J'aime beaucoup. Genre, et moi je mets. Je vais même mettre Caldera devant. Devant Mazra. Ouais, Almazra, ça ne m'a pas plu. Raison. Ah, moi non plus. Attends, t'as pas dit qu'Almazra c'était ta préférée? Zach a dit ça. Moi j'ai Caldera en moi. Niveau map, hein, pas. Oui. Non, moi map, moi je. Bah, même les mouvements de Warzone 2. Trop lent, tu vois. Oh my god. Oh shit. Ah ben eux, je t'ai dit, ça va dégager rapido. Ouais. Par contre, il y a Vision. Ils ont été malins de comprendre vite où est-ce qu'ils étaient eux. Hein. Ouais, exactement. Parce que là, mine de rien, c'est du sacré chicken. Hein. Ouais. Oh. Exactement. Ils se sont croisés. Ils se sont croisés. Oh, ouais. Vision perd le timing du coup de. Ah, les gars, comment on avance en Vision? Oh merde. Bien. Patsuka qui. Bien, gamin. Attends, et Believe? Yes! Vitality qui prend 2 kills, les gars. Sans en perdre un seul. Nice. Oh, les deux sont ouais. Knock quand même. Mais... Les deux sont knock, mais ça a pu s'autoréa tranquille. Belle cover de Ziwu. Stiwu. Excusez-moi, c'est trop Vitality pour moi, les gars. Enfin, Aizen, il va faire un malaise hein, si t'as entendu. Hein, comment ça, Ziwu, L2, R2 oui, oui. Ah, il va se mettre à convulser par terre, il va vomir. Ça va aller, Aizen, ça va aller. T'avais pas fait une session avec lui sur Warzone? Avec Aizen? Non, avec Ziwu. Si, Ziwu aussi. Incroyable, non? Mais tu sais qu'il m'a écrit là il y a 2-3 jours. Il s'est fait Shadowban. Non. Si. Ah, tu m'étonnes en même temps, POV. Hein. Il a joué 3 heures, il m'a dit ouais, chaud, je lance et je suis à 200 MS. Ah, ouais. Bah ouais. Tu fais bêter Shadow, frérot.
Il est trop cool comme gars. Incroyable. Putain de Ziou. Soka qui est entouré là. Hein. Et ces teammates qui viennent à la rescousse. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas plus traqué que ça. Ils l'ont un peu laissé. Ouais, là il le resserre. Après il a ce rôle là mine de rien. De survivre, d'être languide, de donner les infos. Aidan contre Tenix, c'est quoi cette variante? Ça fait peur. Je sais pas ce que c'est gros. Variante, t'as fait très très peur. Putain, les lignes sont exceptionnelles. Ouais. On a Dongi qui vient de bouffer Vision. Ouais. Soka qui vient de faire tomber Night Dog. Donc le mec du haut de la tour est tombé. Ça risque d'être compliqué pour la team Ersul de survivre plus de 5 secondes. T'as une 6 en affiche, je les vois. Ah ouais? Ça frag? Ouais, ça frag bien. Ah bah là, c'est. Ah bah, ça a bien merde. Joué du côté de. Oh, un wipe, un wipe! Alors, c'est Zund. Ça se fait sur de là, par les teams prodigieux. On a Oki qui est venu sur un timing, mais terrible pour la team, I believe. Ouais. Ça a l'air vraiment d'être timing sur timing. Non, mais c'est timing sur timing sur timing. C'est un truc de malade. Hein. On est pas loin d'Apex Legends là. C'est là que tu vois que le. En fait, limite, t'as l'impression d'être que dans des 1v1v1 final, tu sais. Genre, t'attends le 1v1 du mec pour venir et faire tout le monde. C'est ça. Et oui, c'est contre Skullface. Il met les bons dégâts. Ouais, c'est Skullface. What? Skullface, vraiment, il se déplace. C'est grâce à son haut du corps super musclé qu'il se déplace super vite. Hein. C'est. Tu me muscles un peu alors. Oh non, 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 oh my god! Ça l'a vraiment chié. Hein. Oh my god! Noobs qui chase. Oh, quelle finesse de Skullface. Non mais Skullface gros, il lui a mis ses doigts dans le cul gros là. Ouais. C'est qui s'est fait humilier comme ça? C'est Vision. Oh ouais, bon joueur. Donc, encore une fois, hein, du côté Team Aidan là, on est vraiment bien passé. Hein, hein, ils ont ça vrai et c'est bon contrôle d'une portion de map. Ça se régale. Je pense qu'avec l'expérience d'Aidan et tout, tu sais ce qui leur est arrivé hier quand ils ont push un peu trop sur là où ça s'est fini la première game et qu'ils se sont fait wipe et tout. Je pense que c'est le genre d'erreur qui se renouvellera pas. Ouais. Ils vont continuer de traîner dans des gros secteurs histoire d'avoir toujours une possibilité de s'échapper. Exactement. Et mine de rien, la régularité sera la clé. Hein. Ah bah 100%. Là, sur 8 games, il vaut mieux faire 20 points par game, tu vois. Oh, Kams, non, Daga qui a failli gun. La bonne surprise, c'est quand même les Espagnols. Hein. Team Daga qui sont aussi loin. Je te jure, c'est vraiment une belle perf de leur côté. Hein. C'est lunaire. Jouer avec un mec qui touche pas au jeu depuis très longtemps. Je suis sûr. Ah, gros. Mais tu sais que je pense que si les Espagnols là comme Kams ils perfent autant, jamais ils performeront pendant l'Euro en demi. Exactement. Oh allez, les Brésiliens alors, justement, c'est un avant-goût de ce qui va se passer. Arrête, arrête. Ne dis pas des choses comme ça. Ah, bon, je suis vraiment une merde. Oh. Ça gride pas, ça se calme vraiment pas là. Allez, nice. Super, Team Aidan, come on. Lukinas, quand même, bon joueur, non? Joueur surprenant qu'on ne connaît pas trop, mais qui graine dans sa région du Brésil et qui est solide. Hein. Ils ont fait une percée déjà à se qualifier alors que d'autres ne sont pas qualifiés. C'est déjà impressionnant. Parce que Face, pareil, hein, paralysante, Nade. Ouais. Il y a la boîte de mule qui va partir, ça. On revoit le classement qui s'actualise un petit peu, ouais. Et Vitality qui commence à se rapprocher du top 5. Ouais, exactement. Oh là là. Waouh. Oh là 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 là. Quelle finesse. Il glisse sur la map là. Ah, c'est vraiment fluide. C'est d'un smooth. C'est dingue. C'est beau là. On s'est fait wipe du côté des Brésiliens. Ok. Putain de bordel de merde. Il a mis le public en. Et wipe pour Navy, c'est Vitality qui wipe Navy.
continuing to just run ah ouais on the map and tear everything to pieces. Vitality holy qui a quand même besoin d'un petit réveil. Voilà, avec King Cage là, ça va être compliqué. Oh qu'est-ce qu'il faisait à 3 derrière un gardien? Tu sais que je pense, jamais j'aurais cru que quelqu'un allait avancer là-dedans. Wipe. Enfin, mais wipe pour vision. Une erreur. Se mettre derrière un gardien. Du côté des Européens, là, on n'est pas vraiment bien. Hein. Oki, Abe Whiskey tombe, si Prodigy. Pareil, hein, deuxième bonne surprise aussi, moi, c'est les. Eux, hein. Est-ce que tu penses. Merde. Lesquels tu vois, bon poulet, toi? Ashmood, etc. Là, ah c'est ouais. Une équipe d'eau, c'est des Émirats. Saoudiens. Les Saoudiens, gros. Ça joue honnêtement vraiment pas mal dans ce moment. Ah, mais ils jouent très très fort, gros. Et sachant qu'ils ont aussi très très bien perf dans l'autre mode de jeu, quoi. Aussi, ouais, carrément. Non, c'est pas étonnant de les voir souvent avec des 10 kills, etc. Ça frague. Hein. Non, c'est vraiment pas des joueurs dégueux, ces enculés. 10 secondes de redéploy. Pas hésiter à préciser, ouais. Enculé, hein, vraiment. Oh, il fallait le dire. Et tu fais bien de le dire, mon cher Groma, parce que la résu est terminée. Ça y est. Cercle zone 4. Et il reste 20 personnes. Comment ça va jouer là? Ok. Donc Geek tente une rota pour qu'il se dépêche. Ouais. Bonne rota de Geek. Prendre l'espace dans les bâtiments vides. Et la team, encore une fois. Faudrait prendre ce bâtiment. Ils prennent ce bat, ils sont bien. Ils sont bien. Ouais, toujours bien placés. Mais par contre, ils ont extend. Hein. Je sais pas si t'as vu 3 bâtiments. Ouais, bah ils ont raison. Hein. Et que ouais. Il faut qu'ils bloquent. Ah, bah ça y est, Geek décide de continuer. Mais c'est Shifty qui se fait comme une gros. Et ça. Ah, bah c'est down. Nah, par contre, là, les gars. Oh, il aurait pu exécuter. Ouais, mais il y va direct, hein, le 4. Maintenant, il va reste direct. Ah, c'est ça, il soka, j'arrête, c'est ça, efficacité. Il n'a pas de temps. Et Vita qui se bat contre Fnatic. Hein. Fnatic. Il a demandé une smoke à son copain pour reback. Bon, tu vois, ils ont externe, mais seulement ils sont retournés tous au même endroit. C'était un peu l'alerte en mode on arrête. Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de confiance quand même. Hein. C'est beaucoup, beaucoup de confiance. D'ailleurs, petit hors sujet, il y a Soka qui a beaucoup apprécié notre commentary hier. C'est vrai? Ouais, il a envoyé un message et dit GG toi avec gros main. Ah, tu déconnes. Genre, non, je te jure, il était content, gros. C'est vrai? Ouais, ouais. Je t'enverrai. Ouais. Ok, vas-y, ouais, je veux la proof parce que. Tu veux la proof? Ouais, je veux bien la proof. Allez, vas-y. Rappelez-le moi, chat, après ce game, j'ai un screen à envoyer. Let's go, ça sent le top 1 encore, hein. Enfin, quoi qu'ils ont pas top 1 tout à l'heure, donc. Ça parle français. Juste le fait que tu dises Mabswell, à un moment donné, ça, il a pas apprécié. On a Vitality, oui, là. Raison, mais qu'est-ce qu'il fait, gros? Mais non, pas de sous. Oh my god! Oh le wall! Oh le wall de coquin, gros, il a failli prendre. Ils sont bien placés, Fnatic, là. Ça joue vraiment bien. Stivo qui est tombé? Ouais, ouais, il a pris une frappe, il est tombé. Il reste plus que pas de Zouzou qui était un HP en bas. Ils ont troll là quand même. Ouais, je sais pas. Oula, ouais, c'est bien, j'aime bien ce qu'ils font, Dongi. Ça sent bon pour eux aussi cette game. Il y a une reste qui part des Saoudiens en zone. Et Fnatic est bien aussi, il n'y a pas la zone. Là, il faudrait qu'ils se mettent. Qui met encore une fois en réussite l'équipe de Biffle. Hein. Bah ouais, mais c'est toujours comme ça, les poules vont en bas, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a compris ça. Quoi. C'est les poules, ils vont en bas, ils sont chiants, toujours au même endroit. Ok, c'est bien, mais ils vont être en bordure, il faut se moquer et cross. Hein. Non, ils vont être bien, tu sais, c'est comme hier, ils vont être sur la route. Il y a encore beaucoup d'équipes de 3, hein, les gars, ça va s'exploser. Hein. Ouais. On a Aidan qui subit un peu, par contre. Aidan qui l'a joué sneaky. J'aimerais bien que Tinux arrive à sortir son épingle du jeu, là. Ils sont trop en vie. J'aime trop les gens fous. Ils sont 3 collés, on prend la C4, ça va faire très mal. Ok, donc Geek a pas osé leur mettre. Ouais, Dan qui griffe l'équipe de Dongi. Oh, non. Et la réussite pour la team allemande là, par contre. Hein, si... Ouais, gros pool. T'as vu, ils se mettent des steams. Steam, ça annule les dégâts progressifs de la zone. Alors, ça, c'est un petit trick. Mais wipe des Saoudiens. Voilà, ça wipe dans tous les sens. Ah, Skullface qui a pas eu le temps de reprendre. Ouais, ça risque de payer cher. Ça va être payé très cher, ce push. Ouais, ouais. C'est très bien. Et t'as Timo Mita droite aussi.
parti. 3v3v3v1. Il a pas vu. Oh my god. Il va tout seul. C'est greedy hein. Aïe aïe, sanction immédiate. Hello. Et on a la... on a deux teams qui vont en profiter pour Rota en plus Dongi. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, Dongi est sur le toit parce qu'il a été réanimé et on a ses mecs qui jouent le contrebas. Oh le bordel gros. Waouh. Wow, c'est bon ça. Moi, j'aime bien pour la team Dongi. J'aime bien pour la team Dongi. Oui, oui, oui. La team Dongi là, tu penses? Oui, parce qu'il s'est mis en contrebas. Là, tout le monde va se reculer. Est-ce que Dongi va capter l'idée derrière lui? Oh l'idée de ouf. Non, ouais, il a pas capté. Il a pas capté. Non, mais c'est comme en même temps, comment tu t'en doutes en même temps, gros? Il faut les shifty qui reprennent la meilleure pause. Ouais. Ils vont pouvoir prendre la réanimer. Ils vont réanimer, gros. Ils vont réanimer 100%. Aïe, 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 aïe. Oh my god, c'est pas possible. Oh, ça s'explose. Les fanatiques qui tombent sont tous down, je crois. Non, il reste Allemande. Oh, Allemande. Il a oublié. Il a oublié. Non, il a oublié. Ok, c'est bon. Aïe, aïe. Oh, solide, solide. Oh non, c'est. Oh my god. Oh, la moins 2. Oh my god, Biffle qui s'en prend 2 là comme ça, qui se régale. Oh my fucking god. Oh, les trois fanatiques. Ah, ça va être dur, Là, ça va être fanatique. On a encore un PDS du côté de Biffle. Ok. Ah bon? Ouais, il faut peut-être monter dans la tour. Dans le stuff de Biffle. Voilà, 2v3. 2v3. Non, là, c'est pas possible. Ils ont pas l'argent pour elle, c'est tellement dommage. Faudrait qu'Intex mette un peu de dégâts aux autres, mais. Ah, il le scam. Non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, mais ça se passe quoi, gros? En fait, ça tweak. C'est ce qu'on appelle tweak dans le milieu. Et en fait, ils pensent qu'ils ont trop de PDS, mais. Non, c'est pas possible. Ils sont 1v2, mais les deux knock. C'est qui le dernier? C'est Biffle avec la sel. C'est celui qui a Notoria, gros. Mais c'est celui qui a Notoria qui va gagner. Ouais. Oh, oh my god, c'est Biffle qui gagne! Ils ont trollé, gros! Ils ont trollé en 2v3! Oh, il leur dit, gros! Il leur dit! Il lui a dit! Il lui a dit, t'as tweak! Oh my god! Ah, ils ont pas le droit, gros! Ils ont chopé la panique, gros! Mais c'est ça, c'est quand je te dis, quand ils les jouent, les gens ils paniquent, frère! Après, pour leur défense, frère, ils ont toujours une économie de fou! Ils avaient la hauteur! Ils avaient un shop, c'est-à-dire qu'ils pouvaient acheter des masques. Mais ils auraient racheté leurs teammates s'ils avaient de l'argent, donc ils avaient pas d'argent. Et genre, pour moi, tu mets n'importe qui en face, là, genre, ils gagnent parce qu'ils pètent pas un plomb. Genre, là, ça monte à l'échelle, les deux, n'importe quoi. Oh my. Et t'avais Almon qui était là, qui disait Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me. Ah, il comprenait pas ce qui se passait. Shifty l'a descendu, mais pendant vraiment 5 minutes, gros. Oh, il a pété les plombs. Allez, c'est parti. Allez, go les gars, on est reparti. Le chat, on ne veut plus, frérot. le chat, on n'en peut plus. Le chat à la SPA, c'est parti. Attends, mais c'est quoi ce visage? Attends, mais pourquoi c'est pas c'est flou, vous aussi? Ouais, c'est un peu flou, ouais. C'est le code casting, je crois. Oh là là, le triple stack. Oh là là. La belle ligne. Oh là là, le travail. Ouais. Ils sont où les mates? Ils sont où? Non, allez. Non. Oh, le travail qu'il a fait. Quoi? Le travail qu'il a fait, comment ils étaient wipe là-dessus, mec. Hein. Oh, ils ont pas été capables de sortir. Wipe. BCE, voilà, BCE. Oh my god. Oh, ouais, comment il doit leur en vouloir. Ouais, les Saoudiens qui. Ah, c'est pas payé pour Armoud. Ouais, je suis d'accord parce qu'il avait fait des dégâts de fou. La Strafi pour le sub. Zib, thank you pour le subscribe, my guy, let's go! Let's go! Ouais, je pensais qu'ils avaient ça, je pensais que c'était bon hein, quand il prend la moins 2 là. Mais non. Out of here, team wipe. Et ça recommence. Oh my god. Oh, c'est pas l'IMAX Levy, gros. Oh, le chicken. Ouais, dans les tentes là, ils sont pas au top. Là, c'est fini, gros. Ça y est, premier kill pris. The switch ou Vita. Un kill, deux kills. Et il est où le dernier? Ok, il faut sa vie. Si vous voulez, sur Vitality, bon. Il va pouvoir prendre les deux kills du coup, Rodrigo. Non, mais après, ça fait partie du jeu. Ils se font tuer là, mais après. Oh merde, King Cage sorti. Ah ouais, waouh. Mec, tout ça parce que depuis tout à l'heure, il attendait par terre d'être réa, gros. Wow. Mais putain, ça, il faut arrêter, gros. Genre, abandonne et reviens. C'est de la folie. C'est horrible.
Mais attends, mais y a le respawn, on est en zone 1, il prend 7 secondes. Je suis d'accord. C'est de la folie, gros, d'attendre. Ouais, ça fait pire ça. Ah, c'est mérité, gros, c'est trop bête. Faut leur dire qu'ils aillent se faire cuire un œuf. Oh, non, là, ça, ils déconnent, les bonhommes. Okay. Hein. Raoul, Neddock, ça pue. Est-ce que Destroy va réussir? Non, Destroy Wipe. Oh là 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 là, ça allait, ça pardonne pas. Hein. Ouais. Destroy Wipe, hein. Destroy Wipe. Très vite, c'est quand même. Mais en fait, c'est genre, quand si t'es pas au niveau, tu te fais vite éliminer. C'est clair. Non mais mec, t'as vu qu'il a ralenti pile au niveau de sa tête, gros. Ouais, ouais, ouais. Mais vraiment, c'est hallucinant, les gars. Il a un awareness, frérot, qui est reptilien. c'est exactement ça, gros. Oh, on a un aspect qui est pas bien, gros, qui est en regain. Ah. C'est dur à tirer. Oh, Aiden qui vient les griffes. Oh my god. Oh. Et Aiden qui les a chiés et Almond qui a pas réussi à prendre une bonne cover. Almond qui a raté la cover. Ouais, là il aurait pu mettre la balle quand même, tu vois. Et là du coup Aiden qui, bonne opération pour ramener tout le monde. Pour prendre les armes. Ça soit des détails, hein. C'est Ah, vraiment, tous les fights, si tu les finis pas bien et que tu laisses un kill, tout s'inverse, quoi. Parce que le mec va redeploy plus vite que toi et que tes mates. Là, tu vois, la team Fnatic, dans ce genre de configuration, je les vois bien gagner la game. Mais oui, oui. Mais le problème, c'est que regarde, là, on peut perdre un Skullface très rapidement, tu vois. Ouais. Ils sont, c'est un peu comme toi avec les kids. Ça manque légèrement de discipline, je pense. Du côté Skullface, ouais, etc. Mais après, bon, comme c'est du rebirth, tout ça, ils ont le collé sur le top. Donc en fait, ils se prennent pas la tête. Genre, ils meurent, ils ratterrissent. Regarde, c'est qui a tué chez Almond. Ah ouais, Bunker Buster, la spéciale. Stivo qui prend la cover de loin. Okay, du côté de Prodigy, il fallait se réveiller. Hein, parce que là, depuis le début les deux premières games, là, on était un peu. C'est compliqué de leur côté. Bien vu ça. Ouais, ouais, ouais. On a Stivo qui est tout seul et qui commence à se faire push en bordure de zone. Oula, ils vont plus bientôt avoir de lifeline, de mec qui réanime. Ah, il va sauter, là, il va se faire. Ah, il est dans la merde, gros. Ouais, il est mort. Là, tu peux absolument rien faire. Hein. Non, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est où sont ses teammates, est-ce que ça va, quoi. Parce qu'ils sont pas très loin, là. Inxel n'est pas très loin. Bazooka, ils sont entourés par des mecs. Ils sont pas bien, gros. Ah, ben non, Inxel vient de mourir et la Bazooka, ils ont la faux. C'est le dernier. Ouais. Il va se faire wipe, craquer. Wipe. Prof, faut que tu refresh. Vitality wipe encore. Ouais. On est à la troisième game, ça fait. Il s'était bien remis dedans. Ouais. Trois games compliquées pour Vita, hélas. Là. Et les Brésiliens qui ont l'air de se dire je ne vais pas finir avant dernier. C'est laissez-moi de quoi ramener 3 faritas à la maison, s'il vous plaît. Voilà, je suis allé jusqu'en Arabie Saoudite. Là, déjà, là, ils sont bien. Ouais, là déjà je suis d'accord qu'ils peuvent 7000 each juste pour être là aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Mais ouais, c'est déjà un beau billet. 7000 balles pour être là aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, dans les 14. 7000 pour les 3. 14e, 7000 chacun. Ouais, chacun. C'est bien, gros. Ah oui, c'est très bien. Ou Allemand 3 moins 2. C'est un bon pourboire. Tu m'étonnes, frérot. C'est bien. Mais en même temps, ils ont bien joué. Hein. Là, toutes les équipes qui sont là ont bien joué sur ces 3 jours. Chat, on dit ouais, ils sont nuls et nous, mais ils se retrouvent dans le top 14 des meilleurs teams au monde à se qualifier, enfin à être là-dedans lors de cette compète, du moins. C'est donc ça brille, quoi. Regardez-les. Voilà, Intex, hop. Ils posent des problèmes à tout le monde. Hein, ils font du kill, hein. Et puis ça joue bordure. Oh my god. Ça, c'est le replay de tout à l'heure, là, quand. Ah il ouais. Il se fait tuer, là, tu vois, il veut pas se finir. Mais ouais, mais. Il le laisse et il s'est fait tuer en le réanimant. Vita vient de mourir, Jérémy. Ouais. Et au mythe, on les voit jamais tenir des bonnes poses, ils sont tout le temps en train de courir à droite. C'est tellement des électrons, j'ai l'impression. Ouais. C'est des petits barres.
C'est des petits barjots. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas. Je me mets sur leur POV, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps là. Et littéralement. Ça, mais même quand ils bougent, tu sais, ils bougent pas comme. Oula. Ça, stick, ça. Ça me fait trop rire comment ils se déplacent. Ouais, ouais. Regarde-moi ce prédateur, ce hunter, gros. C'est. Oh my god. Ah. Et il s'est fait sound, on sait pas. Le double chal qui arrive. On te sound quand tu marches accroupi comme ça en visant. Ouais, tu peux ouais. un tout petit peu. Tu fais moins de bruit quand même. Précondition LAN, je pense que moi j'entends que dalle. Je pense qu'ils ont dû mettre un petit drone portatif. Oh, Rodrigo G-Tech. Oh, G-Tech, rien à foutre. Il là, on a rien à foutre. Il va leur mettre à moins de là. Je le sens. Regarde, il va se plaquer. Oh oui. Oh, les mouvements de fou furieux. Il va le chier. Il va le chier, hein, gros. Ouais, je le sens. Tu le sens, tu sais. Ah. Oh. Oh, il a chié, gros. Il a chié. Let's go, G-Tech. Bien joué, frérot. Oh là là. En fait, G-Tech, j'ai pas l'impression. Tinux et l'eau, j'ai pas l'impression qu'ils ont la même spatialisation que les autres, ce cerveau reptilien. Ouais. Juste, ils entendent un bruit dans une maison et juste après, ils se mettent à courir comme des tarés, tu vois. Genre, on est sur TikTok, frérot. Bah, c'est Hits 1.2, hein. Ils zinzin full gun. Des singes, putain, gros. Et là, ils se font push par Aiden. Aiden qui prend son temps. Stair glitch, oh, glitch instant, gros, ça a bien joué. Nice. Oh, je, attention à pas se faire tuer l'autre côté. Ouais, nice. Belle cover de la part d'Aiden. Ouais, super. Ça smoke, ça va avancer. Ça va aller chercher, je pense. Ah. Après, pas sûr. Ils ont, c'est ce que t'avais dit. C'est ce que ouais, t'avais ouais, dit. Ils ont retenu la leçon. Cet endroit était vraiment. Ouais. Dès qu'ils extendaient trop, sanction. Ça arrivait dans leur dos. T'as Biffle qui prenait l'espace. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça vaut le coup de prendre 3 kills et de mourir? C'est ça la question ça. À ce niveau-là, tu vois. Et la réponse, c'est clairement non. On a Soka qui vient de la Clévy, l'IMAX. C'est Clévy, c'est pareil, hein. C'est un mec qui a pop il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment au niveau de la scène, et ça joue vraiment bien. Ouais. Ah ouais? Il faisait ses trucs, c'est un Australien, quoi, donc il jouait dans son coin. Et là, c'est la première année où on voit vraiment ce que ça vaut, et ça vaut pas mal. C'est pas mal du tout. Là, par contre, c'est pas qu'il peut se faire wipe, hein. Et il va le chercher. Le bruit de porte. Alors là, c'est dommage. Après, je pense qu'il l'a. Ah, team wipe. Ouais, team wipe. Ça s'est joué à 3 secondes, il aurait pu se barrer, je pense. Hein. Très, très mauvais calcul. Ça, après ça joue à 3 secondes, hein. Il entend les caisses en bas, tu dis faut plus qu'il y en ait 3. S'il avait knock, ça faisait les 3 secondes, non? Ouais. Il fallait être bon. L'horreur, tu as un Biffle qui te court dessus. T'avais qu'à le knock, mec. Et là, on voit que, effectivement. Par contre, ils ont récupéré plein de PDS sur leur corps. Oh my god. Qui a fumé. Il a fumé du balèze là, la gueule. C'est le drop, t'es les deux teammates, t'es là, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il a branlé, frère. Tu regardes en mode, ah, c'est mon teammate. Ça. Nice try, j'ai dit. Tu sers le coup. Oh, ouais, ok, tranquille. Vraiment. Ouais, ok. Next, les gars, next. Kams qui. Ouais, non. Le pauvre. Putain, les attendu. Mecs, ils savent. Hein. Ouais. Attendu, ils sont très très forts dans ce rôle là, prodigé, tout ça, ouais. Le coupage de rotation. Moi, ce qui m'étonne avec cette squad là, c'est que de base, c'est des mecs, ils sont tarés. Genre. Et je les trouve assez disciplinés sur l'événement. En mode, ça scam peu. Alors, ils vois eux, ils sont fous. Je sais pas si c'est lié, mais ils ont ramené Sage en coach. Donc, ils ont Sage qui les coach derrière. Okay. Ah bon, il y a Sage. Ouais. Ils ont Sage en coach. Est-ce qu'il a le droit de les coach en game? Non. Mais je pense que les consignes sont assez claires et c'est respecté. Donc. Tu penses que ça se passe comment là? La relation entre Shifty, ça et tout, et Sage. Ouf, c'est tendu un peu. On pourra avoir discuté beaucoup avec Sage. Il est vraiment au plus bas. Mais donc ouais, je pense qu'il en renvoie un peu, mais surtout peut-être à Shifty. Et Shifty qui tombe là, attends, moins 2, moins 3, il y avait. Ok, JTEC, c'est ouais, mais genre. Je sais qu'il tombe, gros. Ouais.
Mais voilà, il reste que Biffle, c'est bien ce que je me disais, il reste que Biffle. Et là, ça risque d'être la game, voilà. Mais ils ont quand même beaucoup de kills. Peut peut-être rattraper. Oula, les trois en bordure. Ils vont subir. Ah, c'est bon. Ça, il est parti. Il va aller ouvrir le shop avec son PDS, prendre la res. Ce genre de play de fou furieux. C'est vrai que c'est vraiment... Regarde-moi ça, regarde-moi ça. This is just such a classic Falcons play. Ah, il sait même pas où il est le shop pour te dire. Il troll, là il fout le troll. Hein. Il sait même pas où est le shop pour te dire le balicouisme de Biffle. Là il aurait peut-être dû se prendre un masque, non? Il a... Eh ben... Il avait pas de faire, les... au lieu de faire double réa, il a fait. Mais non, mais il a pas double, il a juste single donc. Je sais pas. Ah, pas ce qu'il aucune a idée, gros. Il a peut-être pris un gaz avec. C'est bizarre comme mec. Hein. Ah, chelou. Ah, ils sont encore. Oh merde. La team Smith qui est. Et Soka, qui est Soka. Vraiment, vraiment bien. Bah, Biffle qui est. Ouais, ah, mais mauvais opérateur d'opération de leur part. Ils sont morts, les gars. C'est le moment de la team de Smith de rattraper les 20 points. Oui, oui, oui. Allez, on les encourage, les gars. On veut un banger. Ils ont beaucoup de kills. Alors peut-être. Alors peut-être. Parce que là c'est déjà la game 3, on va bientôt arriver à la moitié du tournoi. Et on a deux squads qui se fight hors zone là en bas dans les tunnels. Ouais, c'est... ouais mais c'est clutch comme endroit. PDS sur le toit ou pas là? Tu prends la tiro? Non. Oh my god, il y a une smoke là. Non. Oh il s'en sort. Non il meurt. Oh, il... Smith qui tombe, c'est pas bon ça. Et si si, ils ont repris le top. Si si, ils ont fait le play de la tiro. Oh my god. Noobs qui tue Knight. Il reste plus que Smith ou Aidan, je sais plus. Un des... moi je suis en crise d'angoisse, t'es pas là-dedans. Hein. Ouais. Il reste que Smith. Smithy, mais par contre, Kalazo, non, sur la gauche, là. Et c'est Fanatic qui a pris la très bonne zone. Et tu l'avais dit, hein, tu l'avais call début de game, t'as dit, je vois bien dans une config comme ça gagner la game. Bah, ça sent le top 1 de Fnatic. Bah, généralement, dans ces games. Dans ces zones-là, tu vois, une fois qu'ils sont... S'ils trollent pas, ouais, ils vont au bout, quoi. Ouais. Si tu peux call, pareil pour nous au LCQ, ça me... ça me ferait plaisir. Je sens bien la team Zach dans cette config. Pied, oh, il a une frappe. Oh, Smith qui a pris 3 kills, là, tout seul. Attends. Il peut pas faire plus. Arrête. Oh là, l'animal qui a voulu... Et la frappe qui knock. La frappe qui knock, mais qui tue pas. Il y a Abewis qui knock aussi, il va pas réussir à prendre le full. Non. Et c'est top 1 pour Fnatic. Abewis, c'est décolle. Zéro kill l'avait. Ouais, il me semble. Ah ouais, anecdotique le mec. Mais. Ouais, super Fnatic qui fait son top 2 et qui direct se remet dedans. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait. Ils auraient dû faire jouer Sage à la place de Abewis, gros. C'est que ça aurait été monstrueux. Hein. Ouais, ça aurait été monstrueux. Ça aurait été grotesque, gros. Bah, c'est ce qu'ils auraient voulu faire, sauf que bon, bah t'imagines bien. Quand t'as le spot. Bon, t'es gentil, poulet, mais. Ouais. On va prendre le coach. Allez, c'est parti. Et est-ce que vous avez déjà fait Vegas? Ouais. Mec, mes parents, donc. J'avais pas 18 ans, ni même 21. Ah, ok. Ouais, compliqué. Ça, ça a l'air d'être vraiment... Imagine, ils annoncent les Worlds année à Vegas. Impossible. Et... Sachant qu'il y a eu déjà un Major là-bas, je sais, je pense pas, hein, mais ce serait fou. J'aimerais tellement. Je finirais comme un déchet. Hein. On ferait une very bad trip, frérot, la veille des Worlds. Ah, là, non. Le lendemain. Le lendemain. Et Magic est encore tout seul, il a réussi à redipper son mate. Ouais, eux ça subit, hein, t'as bien raison. Ouais, je sentais que c'était. Moi c'était plus parisien, mais en vrai ils s'en tirent pas trop mal au final. Hein. Oh là, Rodrigo culotté se respawn, gros. Hein. Oui, oui. Ça farm. Oh, Patsuka et Antium qui viennent vers chez Dongi. Ouais. Ils ont inversé un peu la tendance, c'est eux qui viennent casser les couilles à Dongi et plus l'inverse.
C'est bien de tenter des trucs et de... Bien sûr. Oh là là, mais il y a tellement de monde. Control center, gros. Wipe. Wipe. Oh. Oh my god. Mais non, ça va pas être wipe du coup. Et si wipe. Wipe malgré tout, gros. Waouh, destroy. Bah tu l'avais dit, bottom. Bottom équipe. Je me suis pas trop chié, frérot, pour mes calls. C'est clair. Et là, t'as Omid qui vient third sur... Navy. Super. Gros trade. Oh là là. Oh my god. Ah, c'est Kams. Dagger. Oh. T'as vu ce qu'il lui a mis, frère, la smoke, gros? Ouais, ouais, bien joué. Il devait être full live mark. Hein, mais Oh, il devait être bien live mark, mais sale, hein, ce qu'il lui a mis. Sale, sale, sale. Oh, il y a Biffle qui vient d'arriver, gros. Ça y est, coup de ballon. Elle est sur le toit, hop. Ballon ou tiro, mais en tout cas il est venu direct. Et il vient, regarde, tranquille, hein, une petite frappe dessus. Ouais. Et ils aiment bien cette rota control center maintenant, et il leur casse les couilles. Mais il est vraiment dans le... En même temps, là maintenant, ils ont juste à farmer les gens tranquillement. Shifty qui joue sniper. Ouais. Ok, petit drone de Rocco, il va analyser que Elolam est tout seul, il est en train de lui spammer le comms. Et Elolam qui a failli être très solide là en gunfight, mais malheureusement. Ouais, mais Shifty qui est arrivé super vite malgré son drone. Oui, il y aurait eu le trade. Il a juste foutu en l'air son truc et il l'a lâché. Par contre, regarde, il y a la team. Là, il va peut-être se passer quelque chose. Il y a la team à Kams qui est en train de monter sur Biffle et tout. Ouais. On va pas le voir. Ah, c'est Biffle qui tombe les cams. Ouais. Ah bah, pas naïf. Et là, ils ont l'info des deux du bateau. Ouais. Oh là. Ouais, complicado pour les Espagnols qui sont déjà bien. Qu'ils devraient pouvoir bien en retard. Par contre. Mais il est dans l'eau. Putain, mais il s'étouffe, Shifty. Hein, c'est... T'as l'impression que, ouais, il la sent, non, là, l'eau. Non, mais je pense qu'il la sent. Non, mais gros, ça. Non, mais les gars, ouais. C'est pas des oreilles à ce niveau-là. C'est autre chose. Bah, je pense que est-ce qu'ils ont eu le droit à Artis War? C'est la question qu'on posera, je pense, quand ils auront le droit. Mais même avec Artis War, c'est exceptionnel ce qu'il a réussi. Je suis d'accord. Vision contre Skull. Oh my god! Oh, Skull qui vient de lui vomir dessus, gros! Vraiment? Vision, Anavita! Oh my god, Skull! Vision qui n'a pas le même impact qu'en online! Et on a Awesome qui est en train de se faire farm par Prodigy. Y'a pas de Souka qui... Oh mon god! Stivo, les deux allongés. Stivo et Wars, gros, ils passent pas un bon moment, gros. Non. Ça se chie dessus parce que King Edgy qui tombe, donc là il va rester que Wars. Et eux, ils ont. Regarde, t'as vu, c'est la guerre à droite et eux. Les vacances, ils ont wipe tout le monde à côté, du coup ils ont un espace furieux. Mais je pense pas que le spawn de Stivo, pas de Zuka, soit si fort que ça. Hein, quand non, c'est pas un bon truc. Oh my god, l'opposé. C'est ce qu'il lui a mis, gros. Oh oui. Oh my god, dommage. Ah, ouais. Dommage. Et 6 kills, Yes. Ouais, et il joue les singers, le truc de show. De show. Akimbo. Ouais. Truc de déjanté, ça. Hein. Tu sais que je vais clairement le jouer, moi, jeudi. N'hésite pas, frérot. Hein. N'hésite pas. Pour aller le TTK, mais ça a l'air d'être à peu près équivalent. Et si ça te permet d'être plus à l'aise au clavier souris, au corps à corps, là, tu mets smoke et tu rentres avec ça dedans. Ah, ben, ça, ils vont chier du sang, les bonhommes. Hein. Chier du sang, les types. Kams fait que retomber. Biffle qui va l'isoler direct. C'est fou. Biffle qui fait l'essuie-glace entre contrôle. Là, tu vois, je pense que ça va être. Ça va re-être la team. Comment il s'appelle? Falcon? Ouais, Falcon qui va gagner ça ce là. Ça sent bon. Ouais, ils dominent beaucoup trop le secteur. Ouais, il y a des chances que la zone rota en plus en bas de la map encore plus. Là, avec, à 100%, gros. 100%. Mais ils sont pas impatients, c'est ça aussi qui est fort. Ta vision qui s'est refait défoncer. Arskullface.
il va faire des cauchemars de du crâne de Skullface. Oh, et portugais qui viennent, brésiliens qui viennent sortir de ça tranquillement. Oh, ouais, oh, super, ouais, ça. Ouais. Oh, il a eu plus de balles. Oh, non, non, ça doit tomber. Oh, le scam. C'est good, il va l'avoir, non? Ouais, il a. Nice, nice, nice. Il l'a, mais du coup, il en reste plus qu'un. C'est Almond, il faut pas qu'il troll. Et pendant ça, on a Patsuka qui fait tomber Aidan. Smith qui tombe Patsuka. Ah oui, ça trade. Il reste plus Steve-O. L'info a été donnée. Il va y avoir un isolement. Ah bah là, oh là, là. Et ça va isoler rapidement. Ça sent le wipe. Ah bah là, c'est mort. Hein. C'est fini. Ça va encore être fini pour la Team Vita. Vitality là, c'est Vitality qui troll, gros là. Putain, Vitality là. Top 12. Vitality qui tombe top 12 sur 14. Oh là là. Yes, putain, yes, mec, yes. Ça fait 4 games, gros. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Faut qu'il trouve une solution, là, alors, Dis-moi. Faut surtout qu'il fasse une bonne perf pour préserver un peu Warzone pour les grosses structures, tu vois. Que s'ils font un bon résultat, ça a du positif pour la suite. Ouais, bah oui. Vitality va se rendre compte que ça peut tourner dans le bon sens et tout du côté de Warzone, donc faut... Certes, c'est vrai. On a Levi qui vient de se faire wipe aussi. Ouais. Oh là là, Shifty Biffle. Ouh, nice. Avec Uzo et qui mettent grosse pression, Tasoka qui doit être tranquille, mais... Bien joué quand même. Ça joue bien du côté d'Aiden. Franchement, j'aime vraiment l'équipe. Hein. Ouais. Ça me ferait tellement plaisir qu'il gagne le tournoi et pas... Ouais, moi aussi, j'aime pas Falcons. Qui ça, Smith, Aidan et tout? Smithy, ouais, Aidan. Ouais. Ouais. Ce serait bien. Ce serait joli aussi. Coup de couteau. Je crois que ça va être. Là, ça. King Edgy, ça va être mauvais pour lui, gros là. Ouais. Il est repéré. Et Tatsi qui aime bien les bateaux. Hein. Ils sont tout le temps les bateaux, droite ou gauche. Shifty. Ah, ils sont revenus. Hein. Le rythme est effréné, la feed ne s'arrête jamais. Hein. Ah, tu dois finir la journée, gros, tu dois être bien là. Il le voit pas? Surtout 8 games, c'est fatigant, je pense. Ouais, ouais, de fou. All timing. Super les mouvements de Shifty là. Ah, déjà 7 kills, hein. Je me rendais pas compte qu'il y en avait autant. Ouais, ouais, là, il a combien de kills? 7. Biffle doit pas être loin. Wipe pour Dongi. Ouais, putain, 5 kills, merde. Du côté de Biffle à 2, ils en ont déjà 12. Dongi, ouais, start un petit peu plus low que les autres jours. Là. Pardon, ils empêchent Crims de retourner sur les mates. Hein. Ouais. Exactement. Et on pourra isoler les deux autres. J'aime beaucoup le logo Falcons. Même les maillots, je les trouve. Ah ouais, 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 c'est stylé, je suis d'accord. Très stylé. Ouais. Ah, c'est méchamment stylé. Ça regarde l'échelle. Ouais, il regarde bien l'échelle. Ouais, il a pris cher, mais ça je sais pas. Ça s'explose là. Ouais, il y a attends, deux mecs. Oh, Kams, merde. Kams fini, gros. Wipe. Et là, on a King Edgy qui est tout seul aussi. Ouais, je pense que ça va, être fini pour King Edgy là. Ouais. Et là, tu vas avoir un gros hold de la team Aidan qui va faire what hold the fuck. Oh, mais gros, t'as l'impression qu'il wall, gros. Non, mais mec, c'est un truc moi, de fou. Moi, je me serais dit, tiens, il est rentré en bas, tu vois. Et... Bah ouais, moi aussi, placé. Gros. Non, mais il a le viseur, il vise dans le mur avant d'arriver, gros. Et là, regardez le hold, hein. T'as c'est incroyable. Qui est vraiment en bordure par rapport à Team Biffle. Bon, oh, 10 kills, oh, let's go baby. Je les avais pas vus, tu vois, on les avait pas vus de la game et pourtant ça a ils bien... Sont dans la non, tweet, non mais ils ont farm de fou gros. Et là c'est le moment où ils vont commencer à se resserrer un peu, Shifty tout ça, parce que il n'y a plus de redeploy. Et là ça va être à celui qui a... Bon, ils vont cut les rotations, mais s'incruster en zone là actuellement ça va pas être facile, hein, parce que tu sais qu'ils vont contrôler le bas. Et une fois qu'ils vont contrer le gros bâtiment du milieu, ils vont se mettre head glitch là où il y avait la voiture de Cloud9 comme la dernière fois. Ouais, exactement. Oh my god. Ouais, hello là. Oh my god. Ah bah, team wipe sur vision. Wipe vision. G kill pour la team Omit apparemment. Est-ce qu'Aidan a pu s'insérer? Oui, par le bas. Il joue la bordure. J'aime bien ce qu'ils font, Aidan.
ils jouent le bas. Mmh. Ils sont tranquilles en plus de ça, j'ai l'impression. Ils sont tranquilles. Et là, ça va mettre un advance, ça met un advance, non ? Big game du côté de Skullface. Hein. On a 17 kills à 2 sans ceux d'Almon, c'est violent. Sokak a beaucoup reculé avec Shift et tout. Et avec Dan, voilà. Au final, ça rééquilibre vachement le truc là. D'ailleurs, faut être là, il faut que ça va être solide. Faut être solide, ouais, faut tenir. Là, mine de rien, celui qui va gagner ce duel entre les deux va quand même prendre un sacré avantage. Exactement. Il reste les trois équipes du top 3 dans ce endgame. Je me rendais pas compte que ça les frag autant, tu vois. Oui, c'est full de kill, hein. C'est vrai. Reaver, c'est full de kill. Je me suis dit, ça allait se placer, etc. Mais au final, t'as tout le monde qui joue le jeu de vraiment se profiler en match. Au final, tu vois, là, t'as Smith, Aidan et tout. Je pense qu'ils vont se faire back, gros. Ils vont se faire back. Ça bouchonne de leur côté, gros. Attention à que Smith se fasse pas isoler là, il est solo, j'aime pas trop. Oh my god. Hop, il tombe, Skullface, Wick, dive. Oh les sauvages. Avec une frappe. Est-ce qu'ils vont réussir à re-raise Almond ? Ça m'a l'air d'être good. Ils ont une très très bonne position, Skullface. Hein. Ouais, parce que ça va être les seuls sur la hauteur. Hein. Ouais, l'advance a bien aidé. Hein. De fou. Ça continue de frag là du côté d'Almon. C'est littéralement le. Les trois dernières équipes vont être les trois premières équipes. C'est le top 3 là qui reste en vie. Donc on si la team Almon arrive à reprendre la hauteur. Attends, mais la future zone est. Sur la hauteur. Et là, regarde, ils ont déjà fait le move Biffle, ils sont déjà là, c'est pas là qu'il faut regarder. Oh my god. Ça a été call, ça a été call. Ça a été call, ça a été lu par Noobs. Moins 2. 13 bombes, Noobs. Et là, par contre, il faut rester allongé, il faut arrêter de prendre l'aggro. Il me semble qu'on a. On a Oki, non, ou Prodigy, sur la gauche. Non, où il est mort. Je crois que c'est bon, il est mort. Non, là, ils font le taf. Et là, il y a un gros banger qui va tomber. Attends. Ah, ok. Biffle qui vient de mourir aussi. Alors là, Team Wild pour Oki. Soka qui vient de tomber, ça va être wipe. 3v3, ouais. Et Shifty qui meurt du gaz. Non. Ah oui, ok, parfait. C'est ça. 3v3. Ah, ils peuvent rien faire. Et Noobs, hein, il va. Oh, attention. Quoi que. Ouais, ça aurait pu tomber là. C'est qui derrière dans le dos? Ah, c'est JTech. Il y a JTech qui est dans le gaz tranquille. Ah, Noobs, il en veut. Il veut son banger. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le fils de pute qui a touché la scène? J'ai cru que j'avais un problème d'écran. Ouais, moi aussi, gros. Et là, c'est bon. C'est un énorme top 1 pour la team. Oh my god, il a 15 bombes à lui-même. Il s'est gavé, mais gavé. 16 bombes. Est-ce qu'il va récupérer Aidan? Je sais pas. Ils l'ont oublié. Aidan ne veut pas le donner par contre. Ils l'ont oublié avec tous les kills là. Aidan ne le donnera pas. Mon dieu, le banger. Oh là 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 là. Franchement, là, ça masterclass la game. Let's go, regarde, là, Skullface, il est content. Ils viennent de capter qu'il avait 17, ils avaient pas suivi, gros. Ils viennent de dire 17, mec, what? Mais c'est exactement ça, gros. What the fuck, 17. Mais qu'est-ce que t'as fait? Oh my god, Noobs. L'enfant timide, l'enfant terrible, 17 bombes. Bah, il doit être incroyable. Quoi, oui, c'est vrai qu'il fait 17. C'est pas si mal, 17 kills quand même. Focus sur l'annexe, s'il vous plaît. Le mec est trop humble. Je jure. Cinquième game, messieurs. Time to shine. Moi, c'est cette scène qui me fait bander. À chaque fois, celle-là. Je te régale, les gars. Mais même ça, regarde, même ça, là. Ouais. Oh là là. L'avion, il fait des signaux. Oh là 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 là. C'est parti. It's time. Deuxième partie de tournoi. Et on n'a pas les premiers qu'on attendait. C'est ça qui est bon. Allez, là, ça va être le moment. On a besoin d'un réveil des Européens, là. Ouais. C'est vrai. Et l'OLAM. Moi, j'ai vraiment envie de voir Vitality qui fasse quelque chose là. Mm-hmm. Un top 5, un truc. Par pitié, faites quelque chose quoi. Yes. Y'a aucun revenge. Timux là, il est en PLS. Non, il a rien du tout. Je sais pas, il tient rien là dans ses moves. Bah, il a pas d'arme donc. Allez, gamin. Le trade est là. Et lui, il a une bonne arme, hein. Il va pouvoir peut-être mettre une. Non, il le confirme pas, gros. Ah, c'est dur, il faut qu'il saute. Il faut qu'il y aille.
Non mais mec, là il y a des erreurs de ouf. Hein. Oh, le stairs glitch, il est dangereux là. Eh bien, derrière lui. What? Ouf. Ok. Zepa qui est knock sur leur top. Il était knock. Et là, ouais. Il y a l'info qui est donnée avec le knock. Et l'Olam, c'est. Mais no way. Gros, c'est le nouveau skill. Allez, qui vient de sortir. Ils ont déjà, il a déjà le truc. Non mais les gars, c'est le skin qui est sorti avant-hier. Oui. Ouais, c'est un skin Call of. Ils ont eu l'info, ouais, il vient de sortir. Je l'ai dit tout à l'heure que je le trouvais stylé dans la boutique. Mais pardon. C'est Ils sont dans un autre monde, les Saoudiens. Ils ont la production, elle est à côté, gros. Par contre, je comprends pas pourquoi quand ils prennent un knock sur Zepa plus l'info, ils vont pas finir le fight sur les Australiens, genre je... Allez, mais mec, il se shit. Il va avoir ses armes. Ouais, il va avoir les armes. Skullface qui... Oh my god. Skullface Smith. En confiance. Nice. C'est pas bon pour toi, mais je peux que Non, mais là, je vois bien comment ça en train de se passer, gros. On va avoir un duel au sommet classique, comme on voit depuis 6 mois. Mais déjà, une troisième place pour eux, je serais très très content, tu vois. Rien n'est fait. Est-ce que tu penses que si Skullface et tout ça gagne, ça trash talk ou pas? Sûr, très j'espère. Bien sûr, gros, ça va dire les termes. Mec, j'attends que ça, gros, qu'il s'insulte. Mais en même temps, t'es obligé, gros, pour l'histoire, pour la légende, pour suivre le truc. Ah oui, genre, tu peux pas, ça bombarde. Tu peux pas t'affronter depuis X temps comme ça, genre sans t'insulter ta grand-mère, c'est pas possible. Surtout se faire voler son teammate, se faire insulter. Oula, par contre, ils sont fait. Rodrigo qui les a sodomisé, gros. Ouais, les deux, hein. Oui, les deux. Les imbérables. Hisoka. Il a déjà chopé deux kills comme ça. Et là, c'est teammate qui bombarde, gros. Grosse erreur. Nice. Grosse crime. Allez. Bon, il meurt pas. C'était quoi ce gunfight? Ça se calme pas. Non, ça se calme pas. Biffle qui tempo un peu. Ouh, et là il y a peut-être une inversion de... Oh là là. Oh là non, il y va. Et l'autre pareil, même erreur. Même erreur pour l'autre, il est encore resté au sol en train d'être revive. Exactement. Et pendant ce temps, il court quand même l'héros vers les autres. C'est trop dangereux de faire ça. Je suis d'accord. À chaque fois qu'on l'a vu, ça partait en couille. Ah ouais. Ça y est, maintenant il part à l'agro de contrôle. Besoin d'un réveil aussi. On a Vision qui vient de croquer Almond. Ouais, ouais, donc il faut se réveiller. Zumo qui fait tomber Patsuka. Après, Donkey, je trouve qu'il est tellement dans une squad qui joue pas son jeu. Ouais, mais ils ont fait le taf avant, gros. Genre, les premiers jours, ils ont fait vachement le taf. Ça a lâché des 15 kills, pareil. Enfin, il a lâché un average de, je sais plus, 9 ou 10 kills, je crois. On a Biffle qui trouve un peu là. Ouais, mais il joue des kills. Après, ils doivent avoir regain 3 kills, mais ils ont la zone quand même en. Ouais, c'est pas faux. Oula, moins 2 sur. Sur Vita, il reste que Steve-O dans son bat. Steve-O, il leur fait la reste dans le bat tranquille. Ouais. Ouais. Les Saoudiens qui donnent les kills à Falcon. Imagine. Ça serait exceptionnel. Oh! Putain, elle était magnifique, la Mortar. Espagnol out. Il est out, Kams? Ouais. Shit. Aujourd'hui, c'est difficile pour eux. Hisoka, je sais pas ce qu'ils faisaient branler au shop. C'est une belle, c'est une très très belle zone. Beaucoup d'équipes qui ont aussi, voilà, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ils se disent, bon, bah, on va pas agresser, scam, etc. Mais au final, ils se pénalisent en jouant c'est vrai. Trop peu les kills. Ouais, je suis entièrement d'accord aussi. Merci les mecs. là, c'était des propos validés avec validation, gros. Ah, c'est incroyable.
pour une fois. Ça traite de bien, gros. Mais ça veut dire, ça a toujours hein. bien joué, là, depuis... Gros, t'as vu comment ça a trade là, d'une rapidité. L'autre s'est fait crack, l'autre a repris le relais. Ah ouais. Mais sauf que le problème, en face, c'est que Skull, putain, c'est une anguille, gros. Une anguille, vraiment. Vraiment, vraiment. Tu vois, c'est encore une très très belle zone pour. Pour le monde et tout. Ouais, mais tu vois, Shifty, Soka et tout, t'as vu? Où est-ce qu'ils sont placés? C'est la première fois qu'on les voit aussitôt ici. Hein. Ouais. Là, il est dans la tour, il va faire mal. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'ils veulent, arrêter de les laisser déployer leur jeu. Oh merde! Ils se sont fait intercepter, gros. Les Saoudiens qui. Les Saoudiens qui, déchirent Shifty. Ouais, ouais, ouais. Allez, mais il faut les wipe là. Hein. Il faut pas hésiter à sauter sur du toit et aller le chercher, genre. Et Vitek fait les bons kills hein, dans la feed. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah, tant mieux. Team wipe sorti. Ouais, team wipe. Pour Dongi. Qui est Dieu aussi, c'est un petit peu faible encore pour l'instant. Il va falloir y aller. Oh, belle décale de King Gage. Gros tchal. Beautiful. Ah, il y a du monde dans la prison. King Gage, 1v1. L'autre c'est relevé ou Ouais, 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 il y en a un qui a pu se relever. Il y a de ce timing gros, c'est grotesque. Attends, mais King Edgy, il a réussi à faire traquer sa mère. Ouais, ouais, il s'est fait traquer. Bon. Il s'est fait traquer par un mec. C'est encore un autre mec ça. Ah, il y a Noobs qui s'est rajouté en fait à l'intérieur. Ouais, quel bordel gros. Quel bordel dans la prison. Tous les étages, tous les niveaux. Ouais, on a Vita qui arrive dans le top 10 enfin. Ouais. They're your second team fully eliminated. That means there's only 12. Elle monte sur le château d'eau. Comment elle a fait pour monter là? Il montait à la main, je pense. Bah, au vu du snipe, je dirais que ouais. Mm-hmm. Oh, c'est pas qu'à gagner un duel. Et attends, il est quand même dans la merde. Oh. Ah, le Rodrigo en face, il est problématique. Hein. Rodrigo, c'est pas... C'est mon pic de la super aujourd'hui. Oh, on a Soka et Shifty qui recommencent un peu à dérouler. Le top. Et là, il voit pas top château 2 ou quoi? Oh, good shot. Accroupi ici? Je sais pas trop. Non, mais debout là, à un moment, il faut. Aiden, toujours en bordure. Oh my god, le beam de Shifty. Ah, oh, le beam de Shifty, gros, il était exceptionnel, gros. Ouais. Soka, il est tellement toxique avec son sniper. C'est... il met la pression, gros. Avec un petit x4 qui ne se voit pas. Tu sais pas d'où viennent les balles, juste tu prends un vieux crack de merde. Je te jure. Mais ils ont vite pris le dessus, tu vois. Ils ont jarté. En fait, en faisant ce move, je sais pas trop s'ils y gagnent beaucoup, mais en tout cas, ils ont viré la team à Skull. Ouais, exactement. Maidan, par contre, que je vois pas trop frag hein, sur cette game-là. Bah, ils sont à droite, mais je les ai pas beaucoup vus dans la feed. Ah, team wipe pour Navy. Il me fait bailler en vrai. Ouais, je suis désolé. Oh, il a baillé. T'es mort, celui qui a baillé. Ça y est, c'est bon, on a tous reset. C'est bon, reset mental, les gars. C'est bon, on est good, les mecs. Mais, on est vraiment, ça a enchaîné des castes. On a fait. Vous avez commencé, après on a repris le relais, on a fait tous les jours. Chaud, t'as fait tous les jours de cast, toi. Ouais, non, on s'est buté, les mecs. Ouais. Jour off, pas jour off. C'est bon. Exactement. Attends. C'est quoi la map là? Ok. Oups, Soka. Ah, Noobs, il peut surprendre ce con. Hein. Ouais, ouais. Et c'est ce qu'il essaie de faire, allonger là. Oh, la belle balle. Ah, c'est Noobs qui voulait surgir, je pense là. Ouais, oh, ouais, complètement. C'était timé ça. Almond qui a mis la balle, Noobs qui décale après. Exactement. Et on a Skullface qui est venu en support. Intéressant, ça va se passer. J'aime pas trop le move là, ça m'inquiète un peu.
shoot down at least a couple of the members from Fnatic, keeping them at bay just a little while longer. That third team is Navi. They cannot get the. Ah, il y a rotation. Alors voilà, ça y est, Soka qui a rappelé tout le monde de leur petit. Ok, on va faire autre chose, les gars. On va partir à gauche. Il casse les couilles, c'est ses fils de pute. Ouais. Allez, on bouge. Ouais, à gauche, ils vont se faire accueillir par tout le monde, par contre. Hein. Oui, mais. Ça y est, Soka qui fait son job. J'aimerais qu'ils se prennent une pression de zinzin là. Ça serait incroyable. Il n'y a pas de pression, frérot. Il n'y a pas de pression. T'es mal shoot à Biffle, gros. Oh my god, ils arrivent au bon moment, mec. Ils ont une vraie fan zone. Ça me fume. Qu'est-ce qui te fume? Ah, fan zone, my bad. Oui. Impressionnant. Très bon, le sort de au bon moment sur la gauche là. Incroyable, gros. Ils ont quand même de la réussite, je trouve. C'est, ouais, ils mais sont gros, très bons, c'est pas de la réussite, c'est genre. C'est quand tu surfes, genre, c'est de choisir son timing. Genre. Je trouve qu'il maîtrise les élèves. Oh! Il lui a accroché! Non? Ah, il est retourné sur le trophy pour l'annuler. Ouais. Bah, ça la knock quand même. Et là, c'est la guerre. Et là, est-ce qu'ils arrivent à tenir en 2v3? Ils arrivent à tenir en 2v3. Là, Bwiz, encore une fois, qui est anecdotique sur le fight. Hein. Il doit, hein. 1v1. Non, 1v2. Ouais, bah non. 1v2. C'est trop tard. Mais en fait, il a knock un mec qui est en train de se reshielder. Deux mecs qui se reshieldaient derrière un truc. Bon, c'est deux légendes, mais ils étaient en train de se reshielder derrière. Ayomi, de récupérer là. Putain, mais personne veut les finir. Il y a pas un shop là, pas loin. Si, devant, il y a un shop. Ils vont pouvoir réanimer, regain. C'est good, c'est les grands gagnants. Putain de bordel de merde. Par contre, du côté de Skullfight, ils ont sur le fight. Mal, hein. Ils vont récupérer du monde. Hein. Ils vont récupérer du monde. Vita est très bien, ça y est, pour une fois qu'ils ont une zone chez eux. Putain, mais attends, mais Vita, gros, je. On les a pas vus sur la cam une fois là. Non. En tout cas, je les vois dans la feed. Ouais, regarde, ils sont bien. Hein. Ah ouais, oh. Ouais, ils sont bien, gros. Ouais, sur le toit, ouais, je suis pas fan, mais. Temporise à droite là. Aidan, ouais. C'est la team ouais, Smith, ouais. Waouh. Oh my god. Oh, il s'est fait back. Oh, le timing de merde. Parce que Skullface, il fait croquer, gros. Ça grid un peu trop sur le shop. Il s'y est pas attendu, gros. Non, c'était hyper dur de. De prévoir ça. En fait, surtout qu'ils ont pas fait beaucoup de kills. Il y avait un PDS qui était mis dans la petite maison en bas à droite. JT qui prend un beau blood. Et là, ça joue un headwitch compliqué. C'est dur de push. Mais c'est ça, réussir à reprendre la ça met des mines, des clés morts. C'est. Ah, ils savent, ils peuvent pas prendre l'arrière. Oh my god. Non, j'aime bien au mythe. Oh putain. Ah, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, gros. Effrayant, frérot. On s'en a pas tremblé quand même en face, ça a bien joué. Team Web top 7, les gars. Ouais, top 7. Donc, encore une fois. Et on a encore Noob solo là. Putain, on a enfin Anxium. Les gars, les Vitality en fin de game. C'est celle-là pour eux. Il a 8 kills. Il a 8 bombes, ouais. Ça sent le banger. On a la hauteur. C'est free là, ils peuvent pas scam ça. Non. Pourquoi il fait que Radia. Genre, il peut pas décaler ailleurs. Bah, il s'assure que personne fasse un move. Il y a que le toit qui pourrait les baiser, genre. S'ils bloquent le toit, ils ont gagné. Mais ça y est, tu vois, il a lâché 2 secondes. Mais c'est bon, ça passe. Non. Non, ça troll. Eh, ça va troll total. Attends, Anxium de dead, Anxium qui challenge. Sauf que là, ça va se faire foutre. Y'a Noobs aussi en plus. Bien joué. Non, il s'est pris la. Anxium wipe en top 6, gros. Ils ont quand même fait une grosse game au moins à 25. Non, top 5, top 5. Non, mais top 5, c'est bon. Grosse game, hein. Grosse game. Mais ouais, par contre, manque de discipline sur le toit, c'est ça. Et Noobs qui rafle tout là. Ah non, c'était JTAG. Oh, les clés morts. Gros 3v3, les gars. Et ça y est, King Eiji. Ouais, gros 3v3 là. De deux équipes, ça y est, qui n'ont pas gagné de game encore. Donc, on aura un nouveau gagnant. Ils le veulent. Avantage, ça fout des mines dans tous les sens. Avantage en haut, mais. Voilà, triple cam. On sait plus haut. Move de Eiji. Ah non, on sait plus regarder, les gars. Ok, donc ça, ils savent que les trois sont sur le toit. Ouais, on a Eiji qui essaye de passer ouais, derrière. Ouais, mais c'est ça. Oh, le bunker. Il l'a gardé jusqu'au bout. Aïe. Oh. Ça anime. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Team Destroy qui win la game. J'ai pas compris ce qui s'est passé, frérot. Ouais. Qui a foutu la bunker? Bah eux. Team Destroy, mais il y en a un qui du coup, ça a pris sa propre frappe qui s'est mis tout seul. Bah écoute, c'est chose qui arrive. Hein. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Super.
Grosse game avec bon, des... au moins ça, au moins ça fait plaisir de gagner. Hein, de leur côté, je crois. J'ai vu un mec qui avait 0 kill, donc je pense que c'est... Ouais, c'est histoire de... Il vient d'où, King Gage? C'est un anglais? Anglais, ouais. Putain, tu sens le mec qui se bat à la sortie des pubs. Bah, c'est ça. Des pubs. Tu sais pourquoi il s'appelle King Gage? Non. Parce que c'est en fait c'est Anthony Joshua. Il est fan de, tu sais, le boxeur. Ah ouais. C'est son surnom en fait là-bas en Angleterre, ça s'appelle King Gage, le Anthony Joshua. Donc en fait, mais il a juste repris le nom. Incroyable. King Gage. J'étais en mode. Ah non, c'est pas bon ça. Je pensais que t'avais une POV match. POV match, j'ai rien du tout, gros. Je suis à sec. Je suis assis comme un clébard, gros. Et chier, putain. Je suis au fond. Isaac, il me disait que j'aurais dû mettre de l'argent. Et non. Ah. Putain. Et non. Je disais show à Grom que moi, je pourrais pas finir le cast entièrement. Quoi? Ah bon? Non. Non. Frérot. Non, mais tu peux pas, tu peux pas. Pas finir le cast. Non, parce c'est que pas possible. Il a dit ça, chat. Ah, t'es vraiment une c'est merde. C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est. Non. J'ai un pote qui revient de Suisse et c'est mon ami d'enfance. Et, non, mais tu l'aimes pas vraiment? Ouais, c'est vrai, ça. C'est pas chance. Non, mais du coup, il y a de grandes chances que. Non, mais normal, vas-y, va profiter de ton ami, mec. Que ce soit pas encore 100%. Mais quel resto? Et ça s'appelle. Ouais, bah attends, je vais me faire quel type de resto si je donne l'adresse. Quel type, bah, quel type, brasserie, quel type. Brasserie très sympa. Brasserie, d'accord. Tu vas te manger quoi? On mérite vraiment une brasserie plutôt qu'un McDo? Ah, t'es vraiment un salaud. mais ouais, non. Mais d'ailleurs, j'aurais préféré autre chose. Mais là, c'est un peu brasserie franchise. Je pense qu'il y en a dans toutes les villes. Régent, on en parlait. Hein. Oh. Oh, la balle qu'il a pris, Aidan, gros. Allez, les 3B. Le bureau. Ah, oui. Non, mais ok, Shifty, mais... il est en slay, gros. Après, si ça s'enchaîne, je suis bon, hein, mais c'est 20h45. Donc, T'as raison, gros. Moi aussi, je me casse. C'était quoi à 20h45? Voilà, t'as bien raison. Oui, attends. Il reste plus que moi sur la chaîne, quoi. Oh, ça traque Kams dans tout Living Quarters. Oh, les pauvres. Hein. Voilà, on a Krips qui va se faire interroger, gros. Ça, c'est le truc qui me foutrait le démon. Hein. Ça rend tellement dingue, gros. Réel. Ils ont acheté leurs armes. Allez, Aidan. Allez, les gars. Nice. Oh merde. Bah, faut le chat direct là. Oh là. Non, c'est bon. Gros bait and switch. J'aime beaucoup. Ça, c'est un joueur qui est selfless, comme on dit là. Rien à branler du kill. Il préfère un bait and switch pour son mate. Sympa. Ah ouais, bah, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ouais. Peu de gens le comprennent encore, même à ce niveau-là. Ok, il remet un coup de Michel. Ils sont bien à leur pose, les cochons, hein, putain. Ouais. C'est pas une équipe que je voyais autant si bien jouer, tu vois, sur l'événement, l'équipe d'Aidan. Oh, regarde. Ah non. Ah ouais. Un gros facteur de réussite, c'est leur spawn, hein, c'est qu'ils ont réussi à comprendre l'exercice rapidement et à prendre une portion de zone à eux. Il y a déjà 4 kills du côté de Shifty, là. Ouais, c'est super. Il faut se méfier, les sortir. Il y a ça, poulet. En fait, il y a Smith qui est immensément fort. Dès la solo, t'as compris que le mec était dangereux. Et Aidan, ça reste un très bon joueur. Mais surtout, un mec qui a l'expérience de ce genre de tournoi, tu vois. Il en a fait tellement. Que... Non mais tu vois, je pensais qu'ils allaient scam plus que, enfin tu vois, au-delà d'être de troll ou quoi, mais c'est vraiment scam en mode, tu sais, des fois jouer des trucs greedy, mais ça joue vraiment intelligemment. Ah, ok. Ça joue propre. Bah ils se sont mal adaptés, on les a vus sur Wipe passer vite au tout début, et puis après ils ont analysé ce qui les faisait gagner, ce qui les faisait perdre. Et... Oh, Anxum qui va choper un kill. Mm-hmm. Anxum qui décède. Oh, les Navy se fait farmer.
boots on the ground, man. They are getting absolutely destroyed. T'as sûrement dit un jour que Navy ce serait de la viande, gros. Navy c'est du très solide historiquement. Ah ouais, hein. C'est... Oh ouais, c'est du counter, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, bien sûr. Oh la frappe. Oh. Il a pris quoi là? Je sais pas trop. C'est Autonoc avec sa frappe qui était aussi loin que ça? Aucune idée, gros. J'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Oh, c'est plus, il reste plus que Elolam. Et là, ils vont le chercher, frérot. On se moque l'échelle, tu sors. Ouais, risqué, non? Oh là là, mais le C4 de mort, gros, parfaitement timé. Ah, l'eau, c'est vraiment des cochons. Ah, le C4, tu sais, qui vole juste au-dessus de toi, qui te craque. Genre, ça donne l'info, ça te craque. Il n'y a rien qui va, quoi. Mm-hmm. Et l'autre qui revient encore, l'Australien. Lévi, il a sauté à l'eau pour essayer de trouver Méthode. Méthode est toujours là, vers le bateau. Ouais. Voilà. Le petit fait, il est mignon, ce petit kill. Hein. Genre, très cool. Ah non, très très cool. Hein. Ah, mais leur pose aussi à eux, elle est forte, hein, je trouve. Moi, c'est un bâtiment que j'aime bien, celui-là. Qui est assez... Ouais, ouais. Skullface, Farm Knight. On a la team de Rodrigo qui vient de se faire éliminer. Ouais, ils sont pas aujourd'hui au niveau de Anxion qui est top château d'eau. Ah oh ouais. Ah, ça peut être une bonne position, ça pour ça eux. Ça peut être une très bonne pose. Ouais. Oh. Ça termine. Oh nice, la bonne cover au teammate là, avec la termine. Oh putain, il a respawn gros, parce que le face qui est arrivé direct dessus. Côté d'Intex, on a du mal à placer leur jeu. Hein. Vraiment, Tongi qui était là hier à courir partout comme un animal, là, c'est plus dur. La même. Et pourtant, il n'y a plus l'équipe de Jukies et tout, donc je comprends pas pourquoi c'est compliqué. On a toujours la même vision un peu, c'est souvent le même côté de la map. Ils font un drapeau? T'as vu ou pas? Quoi? Skullface et Noobs, ils font un drapeau top. Au top, là, au-dessus de Daydan. C'est-à-dire qu'en fait, ils pré-shotent le endgame un peu, là. Ils veulent gagner. Ils veulent des PDS aussi, sûrement. Quand même, C'est intéressant. Je suis content qu'il n'y ait plus une domination ultime, qui est un peu de mystère. Ouais. Mais là, sauf que là, je crois qu'il y a un gros retour, là. 8 kills déjà, Shifty. Ouais. Raoul. Et Raoul. Raoul qui sont pour le moment derniers du tournoi. Donc là, il y a vraiment besoin de faire une grosse game. Urgemment. Ah, ils sont croisés. Ils se croisent dans la smoke. Ah, Shifty tout qui. Oh. Oh, nice. Dès que ça a kill, ça crie. $20,000 d'économie, hein, déjà. Hein. Ouais. Je suis mort de rire de l'économie de Soka. Ouais. C'est vraiment... C'est inquiétant. C'est grotesque. Par contre, il y a une bonne nouvelle, c'est pour les Vitality, Anxium se farm avec la team de Chicken. Mm-hmm. Et ils se finissent pas. Oh. On a Shifty qui vient de se faire refaire sodomiser. Allez, Tinux. Allez, mon gars. C'est ton moment. Voilà. Allez, faut les wipe là. Putain, il a des termites, il y a tout. Genre, les mecs ont contre-bas. Ouais, tu peux pas les laisser monter. Bah non, clairement. Shifty qui remeurt encore. Hein. Ah, Shifty qui est avec Almond. Parce qu'il reste plus que lui, il voulait aller le wipe. Il restait plus que lui, du coup il s'est dit vas-y quitte à mourir, je m'en branle, je vais aller le chercher. C'est pas bête ça. Bah c'est la team, c'est la team. C'est leur contender, hein. Anxion bas prison. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah ça il se fait push, par ouais, Isoka. Il a du coup il a mis deux il trucs. Il a bunker. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis deux bunkers sur lui, gros, quand même. Hein. Ouais. Ça montre quand même le danger qui est en train de lui arriver dessus. Hein. Je te jure. T'as pas mal ça. On les voit pas souvent. Non, on les voit pas souvent ici. Good shots. Ouais,
Ok. On a le mec s'occupe de faire le désherbant qui est là. Ouais, je te jure. Et il analyse la qualité de vraiment de l'herbe. Personne du côté de Control Center. Hein. T'as toutes les équipes qui se partagent vraiment la map. Almond qui joue, qui a. En fait, a, là ils ont, là les deux grosses équipes ont décidé de se wipe. Un petit peu, ouais. Ouais. Et du coup, ça se travaille très intelligemment. Hein. Ils ont décidé de régler le problème. À la base. Ouais. Ça voulait le multiplicateur. Ils ont déjà pris une belle avance. Shifty qui a chié sur Skullface. Et Nyx qui est mort, il reste plus Almond qui est au-dessus d'eux. Alors là, frérot. Par 11 kills, gros. C'est... Ouais, sauf que comment tu fais pour le push? Comment tu fais? Bonne question. En fait, c'est une position qui est un peu chable. Ok, sinon... en plus, Hisoka il est mort. Bah, c'est hyper dur. Ouais, par contre, là, attends, est-ce qu'on a. Ah, ils ont pas le respawn là. Si... Non, non, ah, ils non. ont pas le respawn. Ah, mais c'est pour ça qu'ils le laissent. Ils savent que de toute manière, ils ont griffe. Waouh, okay. God, là, alors là, c'est compliqué hein, pour Fnatic. Hein. Là, regarde, en fait, ils veulent tellement le tuer, gros. Bah, ils vont y aller. Hein. En fait, ils veulent juste le buter, lui, gros. Oula, Inxion qui tombe, Stuvo qui tombe, c'est deux morts Vitality. Bah, regarde. Ouais, non, c'est parce que heureusement, il se prend okay. une pression de prison. Ouais. Mais... Timo et Vita. Et là, il croise dans le bordel. Ouais, c'est bien joué de la part d'Almond hein, d'aller dans le. Ouais, mais ça va être compliqué de se débloquer de la prison là. Mm. Là, je pense que son objectif, ça va être de jouer le multiplicateur. Hein. Complètement. Ouais, grande chance, ouais. Eh ben oui, c'est une grosse pression sur la team Biffle. Est-ce qu'il en est vraiment capable? Est-ce qu'il en est vraiment capable? Peut-être. Je pense que le mulet, ça va fonctionner. Man. Il y a l'intimidation de la coupe de cheveux. Et maintenant qu'ils ont bousillé. C'est une bonne rota et ça, c'est une god rota. Maintenant qu'ils auront bousillé la game, hop, oh, il rota, tranquille. Ça, c'est une très bonne rota, les gars. Alors, pourquoi ça, parce du monde, ils ont du monde pas loin d'eux. Hein. Ouais, mais ils vont pouvoir jouer le creux là où Hisoka qui est en zone avec la passerelle. Oh, le move! Oh, de la rota! Oh, j'adore! Oh, j'adore ce move. C'est un move de fou furieux. Ouais, c'est un move de fou furieux, c'est vraiment. Oh my god, c'est terrible. Oh, la punition. J'aime ce genre de play avec ça qui nulle part. Mec, il y a Cam, c'est. Eh bien, on s'en tire pas trop mal. Hein. Ils ont encore deux en vie. Hein. Allemand, gros. Oh là 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 là. Oh, il a chié. Oh my god. Entre en zone, vite, vite. Oh, il a chié son dive. C'est bon. Ok, ça va. On a une autre self en plus. On n'est pas trop mal. S'il arrive à faire gratter un merde. No way, gros, il était attendu. Oh, Gorgonite qui récupère le kill en plus. Punition. Et Almond top 9. Timo et Aidan aussi. Et là, c'est et le 500 top. Team Almond, ils sont au courant. Hein. Enfin, la team de Aidan, ils sont au jeu. Ah, la position est tellement grotesque, gros. Mais il y a Biffle, il y a Fnatic et Aidan sur son web. Donc là, il reste plus que Biffle. Ça sent l'avancée. Là, ils vont reprendre beaucoup d'avance. Est-ce que Wars va réussir à faire quelque chose? Oh merde. Eh bien. Ok. Que fait Hisoka là-bas tout seul? Ah, il a repréchote la zone. Voilà, il repréchote la zone, il va faire l'encre en zone. Et ben, en ce temps, Biffle fait tomber Wars. Oh! Soka est tombé. Se pète, là. C'est dingue. Soka est tombé en zone, ouais. Ouais, ah, mais oui, Team Destroy, c'est Team Destroy qui a pris la zone aussi. Ok. Oh, et Shifty déjà. Shots. Déjà 11 kills, ils sont déjà 15 kills, 16 kills à 2. À 2, ouais. Donc il wipe, qui n'aura pas le top 5. Il y a un knock dedans intérieur, est-ce qu'ils le savent? Ils continuent, ils vont plus loin, ils vont plus loin. C'est un bon move, hein. C'est bien vraiment sûr. Le bon move. Attention, est-ce que le roof n'est pas déjà pris ici? Mais ça passe le griff. Oh my god. Non. Oh my god. Arrête tes conneries. Biffle, il a un HP, gros. Malheureusement. La pression qui est mise 2v3, ils les ont bloqués de fou. Ah ouais, non, ils sont sortis en position head glitch. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Un peu naïf quand même de la part Team Destroy. Hein. Aïe. On t'as Shifty et Biffle qui s'allonge et qui tire comme ça en relais. Comment ça va se passer? Ah ben c'est la mort. Ah là, ça y est. Oh my god, et là ils se gavent là. Le scam total de l'équipe en face par contre. Et là il y a un shop en plus. Ils ont pas d'argent. Il y a pas de thune.
Après, ça peut être intéressant de le balancer, hein. Juste pour prendre des kills. Ouais, peut-être. 13 kills. Et là, on a la team Omid qui est full, hein. Team Omid, c'est la seule équipe de 3. Team Omid qui est full, ouais. Mais c'est vrai que l'avantage de la hauteur, plus team les deux, si, enfin, les... Ouais, mais ils vont se fight entre eux, gros, ouais, ils vont en profiter, hein. Meilleur timing, ouais, c'est bon, voilà, GG Wellblade. Et là, ça va descendre. 3, 2, 1. Arrête. C'est fini. La team Omid qui se sont fait clutch. Ils se sont fait 2 et 3, et il reste plus que lui. Et voilà. Oh my god. Well play, mastermind. 21 kills. Shifty leur explique, il leur dit on est rededans. Voilà, tu vois, ils sont ok, il avait besoin d'un petit remontant. Il dit on est rededans, on va pas laisser passer ça. Et là, ils sont back dans le mental. Ouais, ouais, j'ai fait un crédit, je compte me l'acheter ma Camaro. C'est ouais, bon. Ouais, ouais, je te jure. Deux games restantes, les gars. Deux games. Ouais. Moi, je suis pas. Oui, il pourrait même rationaliser les coups, genre faire les mêmes plats pour les deux maisons, etc. Tu vois, Ouais, il faudrait. Là, ce serait à adapter parce que du coup, c'est ma thune, tu vois, pour la. Ah oui, ok. Pour la bouffe. Coup, est-ce que toi tu mets des commandes entre guillemets, genre tu vois, j'aimerais manger ça cette semaine, ça? Ouais. Ou tu dis juste, bah il faut que non, je mange non, ça. Non, le dimanche il m'envoie le planning de okay. toute la semaine. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et okay, nous, ouais. Et moi, et le dimanche, je modifie ce que les trucs, s'il y a des trucs oh, vraiment okay, que ça passe pas. Okay. Mais sinon, ouais, c'est lui qui choisit, tu vois. T'as déjà fait goûter des trucs de fou, t'as dit, ouais, non. Ça c'est pas possible. Oui. Spoiler, j'avais jamais mangé de légumes, gros, avant il y a deux ans. Okay, genre vraiment manger des légumes, genre... Ne jamais, frère. Genre n'importe quel légume, aucun, gros. Je mangeais que des... Jamais, frère. Des haricots verts tout à péter, et c'est ouais, tout. Ouais. Il fait quoi? Il y a des plats qui t'a fait où tu t'es dit, putain, il est dégueulasse, le plat. Alors, ouais. Ouais, c'est arrivé, gros. Genre, je leur envoie une photo... T'es dégueu comme je suis, sale fils de pute, c'est dégueu. C'est pas cuit à l'intérieur, c'est mauvais. Il fait ah, il fait qu'est-ce que t'aimes pas? Après ça, du coup, il le prend comme un jeu, tu vois. Genre, il est en mode ah, t'aimes pas? Ok. Et du coup, il va me le refaire la semaine d'après ou 2-3 semaines après en modifiant certains trucs. C'est toujours dégueulasse, mon vieux. Ouais, des fois ça passe pas. Mais en tout cas, maintenant, gros, je bouffe 100% de légumes. C'est bon, ça a été. C'est ça... quoi du coup ton légume préféré là, tes découvertes Frère, tous enfin, ma famille légumes. Genre vraiment tous, frère. Aubergine, ouais. Tout, c'est la folie, les gars. Tu te régales. Ah ouais, et aussi, Zach, j'ai découvert qu'il fallait pas. Genre quand t'as la dalle, mais pas te remplir une assiette de pâtes ou de riz, tu vois. Genre foutre un tiers de riz, ok, un tiers de légumes. Et un tiers de viande, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas... C'est ça, ouais. Le problème. Mais les gars, il faut les cuisiner, les légumes, aussi. Bah ouais, c'est ça. Quelle merde. En fait, c'est le temps de cuisine pour le nombre... Enfin, pour le temps que ça passe dans ma bouche. Je suis sûr de... 2 minutes pour dégommer l'assiette, pour une heure et quart de préparation. Ah ouais, non, mais bien sûr, je suis d'accord. Et c'est pour ça que c'est... Oh mon dieu, Skull. Temps, incroyable. What? Oh mon dieu! Oh my god! C'est quoi là? Tu déconnes! Il l'a tué avec la porte? Non, un autre. Non, un autre mec l'a tué. Imagine la mécanique de fou. Oh, ouais, un what coup de mort, okay. Tu tombes. Non, c'est pour ça que la méta de Skull! Oh dommage! Oh my god! De faire à bouffer un jour en énorme quantité pour toute la semaine, c'est méta. Ouais, ouais bah oui. Shit, we haven't even started closing this. Oh le casse-couille. J'en reviens pas vraiment lui. Okay. Début de game, mais c'est un poison. Hein. Il l'a tué avec la porte, mais gros, on n'a pas. Littéralement, c'était littéralement ce qu'on a vu POV, c'était ça. Quand le mec il passe, prend un coup de porte break. Il y avait la cover XT, mais je voyais pas moi. C'est un autre mec qui l'a tué de nulle part. Genre vraiment un truc qu'on n'a jamais dit. Oh là là, Anxio et Patsuka, ils sont tombés. Là, oui. Il reste que Stivo. Mais c'est bon, Stivo, il joue toujours son bat au fond là. Stivo, je pense qu'il a fait 5 kills sur l'event. Ça abuse un peu, mais... Tu sais que, frérot, là, c'est dur hein, pour eux. Ah, je pense que tu... C'est dur, mais ils ont réussi à se trouver la team de chicken, entre guillemets. T'en rajoutes vraiment pas quand tu dis 5 kills, là, sur la journée. Je pense que c'est la vraie, tu vois.
Portio, ouais, mais comme il a sur leur res et tout, donc. Tom, il serait capable de dire à la fin de la journée, putain, tu vois là, j'ai 17, Zach, t'en as 4. Alors que moi, je suis littéralement dans un corner, j'ai leur rien, tu vois. Ça, ça peut être une remarque qu'il fait, cet enculé. Putain, le bâtard. Oh, Biffle. Faut se méfier des Saoudiens, ils sont très forts. Hein. Ouais. C'est ça, bien joué. Très belle cover d'Isoka. Ouais. 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 Putain, elle passe pas cette deuxième balle à chaque fois. Jure de la mettre cette balle. As it looks like finally Maddie able to drop one of the guild members off screen as again the Falcons playing around trying to eliminate them and then move up. Ah, il a une belle cover, hein. Ouais, ouais, c'est assez surprenant ce qu'il joue. Ah, mais ça y est, le mate est tombé, donc ils ont l'info. Très très belle cover, oui, du mate en rouge. You've got SGP Syndicate and Guild that are in the area, but Syndicate around the bounce back. Guild not as much. A couple of the stats they have full weapons. Intech qui a au drop méthode. Ouais. Il se fait exploser. Ah, mais il se fait aussi exploser par Sniper. King Eiji maintenant, ouais, ça alterne sur le château d'eau. Quelle bande de tarés, gros. Ils se drop dessus comme des sauvages, gros. Ah, Skullface qui va se faire recevoir, gros. Oh, il a vu. Oh, Ice Wars. Nice. Wow, ce qui se démerde vraiment pas mal, tu vois. Ouais, ouais. Oh, oh. My god. Ah ouais, mais il joue ça SOA là, ouais, il a mal. Il a mal. Il a mal, gros. Hier, vous avez eu le temps de tout cast avant le match, du coup, ou pas? Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Nice. Trop regardé. Putain, après ça s'est posé tellement tranquillement, les gars. C'est quoi, ouais. Après stream, tu fais quoi? Tu te poses, tu t'allonges dans le bed quelques minutes, ou c'est quoi ton... Après stream, bébé direct, enfin s'il dort pas. Et après non, on mange avec la femme, tranquille. Et après, je kiffe chiller sur le téléphone, moi. Okay. Genre, t'es ma... Tu sais, un peu Twitter, TikTok, des trucs, tu sais, qui vont bien te vider le cerveau. Ok. Et après, généralement, mes petits films, séries avec madame, pépère, et... Soirée très chill. Mais après, il y a pas beaucoup d'après. Parce que tu sais, il y a aussi le stream du matin. Oui, ok, ouais. Tu te couches tôt, du coup. Ouais, je me couche vers minuit, je dors généralement. Ah ouais. Parce que je me lève le matin, toujours à 7h30, 8h. Et après, stream du balade, sport, bébé, stream du matin. Pareil, bébé sport, stream du soir, tout ça s'enchaîne. Ouais. Et vous, les gars, ça fait quoi? Entre les streams, est-ce que ça mate des streams, les gars? Ça regarde que des streams, en vrai, quand il y a de la compète. Je regarde aucun stream s'il n'y a pas de tournoi. Hein. C'est... Ouais, c'est pas un gros consommateur de Twitch. Ouais. Ou alors j'aime bien Papsan, tu vois, des mecs qui font du... Ah, Papsan, putain, du contenu IRL. Contenu IRL, j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. Bah, dans Paris, non, pas trop, mais quand ils font des pays étrangers et tout, je kiffe bien. Hein. J'avoue. Et ça, en fond, mine de rien, à la télé, c'est très très sympa à mettre. C'est hein. Très très cool, ouais. Ah, bien vu. En plus, Papsan, il arrive constamment des conneries. Hein. C'est ça. Hein. Je te jure, c'est. À partir du moment où tu te balades dans la rue, il t'arrive des singeries. Et toi, Groma, du coup, mon pote? Moi, hors stream, quand je stream pas, je regarde des vidéos sur les échecs. En ce moment, là, c'est ma trend. Attends, sur les échecs, genre échec? Ouais, ouais, sur le jeu d'échecs, ouais. Je tryhard à côté, là. C'est ma nouvelle lubie. T'as regardé le jeu des dames sur Netflix? Non, j'ai pas regardé, là, le truc, là, la série. Ah, bah, tu dois absolument regarder. Tout le monde m'a dit que c'était exceptionnel, hein. Mais, ok, ok. Je l'ai vu, gros, c'est un banger. Ok, ok. Bah, là, je suis à fond dans ça en ce moment. T'es en train de parler au champion d'Aquitaine. Tu déconnes. 2006. Tu déconnes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu déconnes. C'est vrai. C'est le dernier qui m'a dit tu déconnes. Il s'appelait Magnus Carlsen. Nobu Spartan. Ah oui, c'est vrai. Et parce qu'il m'a dit ouais, moi je suis un performeur, machin et tout. Hop, ouais. Je lui ai foutu sa branlée, gros. Incroyable, gros.
Je savais pas, mais ça fait tellement travailler le cerveau ce jeu. Ça fait travailler l'anticipation de voilà. Fou. Voilà pourquoi. C'est utile. Mais jeux d'âme, magnifique. Incroyable. Mais je me suis pris d'amour pour les échecs là. Il y a 2 ans. Ok. Et après j'ai re-arrêté là. Trop bien. Ouais. C'est par période. Bah ouais, c'est ça. C'est par période. Et là c'est ma période. Là, je suis piqué. Je découvre un peu le jeu là. Regarde Tyler gros. Ce taré. Tyler ouais, bah il a tryhard de fou lui. Pareil. Ah, il est parti de rien. Mais lui c'est un tryharder. Genre il bosse tout le temps la même technique, le même opening. Il tryhard. Il perfectionne gros sur les ouvertures. Exactement. Tu sais que les joueurs de dames, les joueurs d'échecs sont des joueurs très forts au poker. Hein. Bah je sais. Ah ouais. Ah ouais, le poker c'est généralement quand t'es bon dans tous ces jeux-là, tu as beaucoup de personnes qui ensuite vont vers du poker. Ouais. Mm-hmm. Je t'avoue, j'aime bien y jouer, tu vois, comme ça de temps en temps en off et tout, mais ça m'a beaucoup pris l'an dernier. Mais je suis éclaté. Ouais, j'ai pas réussi à passer le cap d'être bon. Genre, je fais juste, je perds, gros. Et quand j'ai tout calculé, que je me suis cassé la tête et tout, genre, en fait, je rage parce que. Ouais, en ligne, c'est vraiment hyper compliqué. Il y a une part de chance, gros. Et genre, quand j'estime que j'ai 80% de chance de gagner et que, genre, coup sur coup, je perds alors que j'ai attendu, genre, 10 mains avant de jouer. J'ai envie de buter quelqu'un. Ça fait péter un peu. Ouais, ah ouais, c'est à disjoncter, gros. Bah, et même, de toute façon, les joueurs online n'ont pas la même perception du jeu que quand ils ont des jeux en main. Donc, ça fait des moves de débile, ça joue. Enfin, c'est trop dur. Le jeu en ligne, c'est vraiment pas bon. C'est scripté ou pas hein, mais... Non, bah après, non, officiellement, c'est pas scripté. Officieusement, j'en ai aucune idée. Il y a des chances. Hein, mais bon, après. Moi, je jouais beaucoup et j'ai vraiment stop le en ligne. Ah, mais tu m'étonnes. C'est pour le psychologique et le porte-monnaie. Et puis même, la satisfaction d'avoir des jetons en main, frérot, et de rafler la mise, c'est extraordinaire. Oh, le pool de zone, là, les gars, c'est le bordel. Hein. Ah, de ouf, gros. De ouf, c'est un bordel. Mais tu sais que. Oh là là. Il y a beaucoup de monde là quand même en fin de game. Non, ce que je regarde, il y a énormément de monde là. Je suis. Et 27 remains. Hein. Je crois teammate Dan, j'aimerais bien qu'ils s'en sortent. Je pense qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont écraser tout le monde. Et il y a Vita juste au-dessus. My god. Oh là là. Ça se voit qu'on arrive sur les dernières games là. Il y a personne qui lâche quoi que ce soit. Hein. Saoudien qui vient de se faire sortir. Et Oops qui va se faire cueillir gros. Biffle, moins 2. On the rotation, qu'un. Everyone hiding in tents. These tents only provide visual cover. You can wallbang okay. All of them, and Vision knows it. Has been hanging out for the last like 3-4 minutes, and by himself finally finds a weapon. Merde, what the fucking fuck? Ah, les noobs qui sont fait sortir, les ouais. Gars, ça pue. Ouais, Biffle aussi. Ah non, Tokar, ils ont réussi à. Mais quoi? Mais quoi? Ils ont pas beaucoup de kills sur eux, gros. La zone qui poule sur eux en plus. Ils les a double raise et ils ont atterri sur un mec. Ils ont pas beaucoup de kills, gros. Ok, mais c'est le moment pour Aidan. C'est le moment pour Aidan, je suis d'accord. C'est le momentum. Là, on est d'accord, il reste 2 games. Il reste 2 games. Celle-là et une autre. Oh là 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 là. Aidan, il peut faire job diff. Tout va jouer sur la dernière, les gars. Ah, ils ont pas beaucoup de kills. Oh my god! Oh! Oh oui! Oh le spray de fils de pute! Oh my god. Mec, il a que 1 kill, Aidan, par contre. Ouais, j'aimerais bien voir les teammates. Il y a eu son full hein, sur Intex. Ouais. Ouais. Et faites-vous voir la quick. Ils ont pas la zone là. Oh, ils avaient la zone depuis un moment. Anxium. Le move de Soka. Anxium qui meurt. 3 kills du côté de Smith là. Comment Soka, ils ont retapé par les toits. Oh my god. Ils se font knock de la zone. Waouh, à la limite! Ah, gros, c'est. Et puis en plus de ça, ils ont du kill, donc ils vont prendre C'est millimétré, hein. Ah, c'est ouais. Compliqué, hein. Team Aidan, ça va pas suffire, je pense, pour aller chercher. Smoke sa sortie, là. Aidan prend un bon kill. Faut Smoke sortir, il y en a un qui sort, ça y est. Oh, il y a le mortier qui est sorti. Ah non, une bunker, je crois. Non, Aidan qui tombe. Et là, ils se sont séparés. Il avait plus de balles. Ouais, il y avait plus de balles. Biffle, ouais.
Vente, ça dit quoi là? 2v2. Ah, ils sont morts. Hein. Il peut rien faire. Ah, c'est dur. Smith qui peut rien faire non plus. Il est dans le gaz. Il est où, Smithy? Il va mourir du gaz. Il a peut-être un angle de fou. Ah non. Y'a rien, frère. Hein. Oh, y'a rien. Y'a rien. C'est mort. Attends. Il va ouvrir la boîte, avoir un masque, se rush shield et les tuer. Imagine. Je l'ai écrit, gros. Je l'ai écrit. Ils ont que 9 kills. Hein. Je l'ai écrit, gros. Ok, pas du tout. Aïe. Y'a rien pour lui. Ok, 9 kills, top 2, c'est pas... C'est les Brésiliens. C'est pas ça, mais c'est pas mal. GG les Brésiliens, je suis content pour eux, gros. Ouais, c'est à l'image de leur tournoi. Il leur fallait une win. Ça changera pas grand chose, mais ça peut leur permettre d'aller chercher un billet en plus. Et de kiffer, quoi. Et de kiffer sur leur top 1, là, genre. D'avoir ta petite affiche aussi. Ouais. New Icons, Winners. C'était terrible, mais je vais devoir partir là. Ah là, la veille de. La dernière! La dernière! Je vais mettre le string sous la douche. Le string? Le string aussi. Non, tu vas pas te laver quand même. Pas de choix, les gars. Je... Ah, j'ai mis mon billet sur Falcon quand même. Je vous mens pas. Pareil, gros. Le ice est trop élevé côté Falcon. Le ice est trop élevé. Que ce soit soit c'est Soka, soit c'est Shifty. Mais un des deux va. Voilà. Va assurer. T'as, en gros, dans les jeux. Oh my gauge, God. Continue. Kincaid et Vision vraiment au top. Hein. Bah pour les, c'est les meilleurs perfs des Européens pour l'instant. Ah, ils étaient pas déconnants, gros. Non. Mais c'était mon bet. Rappelle-toi, c'était mon bet au tout début. C'était mon bet. Ils ont peut-être pas fait autant que prévu. Oh, mais... Timux Swipe, c'est fini. Aïe. Oh, Mid, last game, ça c'est dur parce que last game, t'as envie de te régaler. Oh là là. Oh, ils ont déjà... Advance plus Coli. Là, tu sais ce qu'il y a moyen par contre. Ouais. Que maintenant ils aillent très très vite. Ouais. Ils font ça, gros. Ils font ça, je sors ma bite, gros. Ouais, maman, il me rendrait fou. Tu sais que pour les WSW, ce sera comme ça, mais je serai en train de hurler, gros. En train de te caster. C'est pas éliminé pour l'instant. Donc, sauf si je suis qualifié, voilà. Mais voilà. Mais c'est clair que. Putain, gros. Il va falloir les faire tomber, ces mecs. Wipe. Ah. Wipe pour Mati, évidemment, qui finira dernier aujourd'hui. Wipe. Artrek. Wipe pour les Brésiliens. Oh, ça envoie. Hein. Là, je te dis que ça peut aller très vite, cette last game. Trois équipes wipe en 2 secondes, là. Voilà. Oh my god. Oh là là. Skullface, c'est les kills importants, ça. Skullface, c'est pas un bon kill. Les Falcons, oh, regarde. Oui, Shifty. Ils sont là. Ça y est, ils l'ont eu à la Bunker Buster. Ils se sont adaptés. Et ouais, ils se sont adaptés. Il reste c'est notre équipe, c'est notre équipe. Oh my c'est notre god, équipe. C'est notre équipe. C'est Aidan. Oh my fucking god. Et ça y est, Shifty qui a pris contrôle de la tour. Skullface a buté Speed, hein. Ouais. Oui. Shifty dans la tour, ça y est. C'est vraiment des prédateurs, ces mecs, gros. Ah ouais, là, c'est... ils veulent leur championnat du monde, frérot, je te le dis. Il regarde Almond, il veut pas se faire réatterrir. Il se fait quand même presque crack. Est-ce qu'il va se faire atterrir dessus? Non. God. Oh là, la frappe. Il l'a pas pris. Putain, mais ils ont un blind spot pour les frappes, hein. Ouais, je sais pas. Peut-être en tant que spec, okay. On voit bien, mais... Ils savent exactement où c'est. Ça, c'est dangereux, ce genre de truc, hein. Ah, là, ça peut... Ils sont très proches. Ils sont trop proches. T'as moi, je... Oh là là. Ils devraient même pas changer de POV, hein. Ok, voilà. Oh, Skullface qui a buté Biffle. Oh, il le knock. Ah ouais, c'est bon. Et ils reprennent le contrôle du phare. Ouh, et la Shift Chic. Oh, dans le dos. Ils oh my veulent, God. Hein, ils veulent, hein. Oh, Shift Chic s'est bien retourné, qui se laisse pas avoir, pas naïf. En fait, il y a vraiment la team Aidan qui bloque le truc, tu vois. Oh là là. Shots.
T'as les trois meilleures équipes qui se cassent les couilles là en fait. C'est incroyable. Mmh. C'est, on pouvait pas espérer mieux les non, gars. C'est, je te jure, c'est le match dans le match. Skull fait 3 kills déjà. Let's go Falcon. Ah, Vita. Nice, Pazuzu. Pazuzu, c'est le dernier. Ah non, il y a toujours Steve au fond. Ah, petite porte fermée. Ça, roule ça circule bien, ça circule bien. Ça se dommage. Promène, il court. Il va mourir, c'est pas possible. Ouais. Team Wipe, le Saoudien. Fini pour les Saoudiens. Aïe, aïe, aïe. Et là, mais mec, ça se wipe, c'est pas possible. Non, mais Smith et tout, c'est des malades, gros. Ah. Les mecs, ça se sont joués toute la journée entre eux. Ah, nice, quand c'est déjà, mais c'est pas normal. Deuxième cercle, il y a déjà 4 équipes out. Et là, il y a du kill côté Fnatic. Oh, Soka qui rate des balles qu'il devrait pas rater là. Ça ralentit ouais, beaucoup pour Biffle. Ouais. Ok, ça touche. Mais ils savent toujours pas, eux, qu'il y a un sniper dans leur dos depuis 8 games. Est-ce que ça fait sens ou il y a que moi, Cho, qui pète un plomb là? Honnêtement, je comprends pourquoi pas. Ils prennent ce edge ici alors qu'ils savent que. Et ils vont se faire wipe, hein. Je te le dis, je comprends pas. C'est lunaire. C'est n'importe quoi. De tourner le dos à la tour, c'est genre. Aoki qui court bien par contre. Ouais, il va essayer de les ramener, mais. Ouh, oh, Skullface! Skullface en haut sur la hauteur, gros! Skullface? Et ils sont que deux, ça va être un peu dur, mais ils veulent les. Ouais. Et regarde, il y a encore Aidan et tout qui sont sur le côté. Non, hein. Mais les trois équipes, 2, 3 et 4. Quelle bande de tarés. Putain, ça lâche rien sur la last game, c'est insane. Alors son troisième. En fait, ça fait vraiment match dans le match, les gars, c'est trop bien. C'est vraiment ça. Sans mode, vas-y, casse trop les couilles, on va se les faire eux. Ouais, vraiment. Et là, regarde, c'est inversement, ils sont deux, ils chase des mecs. Et là, ils s'échappent. Ah, Vita wipe. Waouh. Non. Ouais, de nulle part, top 10. On l'a pas vu venir celui-là. Le patato Vita. Ouais. Et donc là, on n'aura pas plus qu'un top 8 pour Vita. Ça sera en dessous de 8. Oh, non, mais Vita, ils sont vraiment passés à côté de l'event là. C'est. Ils auraient pu faire tellement mieux. C'est un gros lobby. Non, mais je sais que c'est un gros lobby, mais gros, ils ont un teamplay qui est incroyable. C'est. Ouais. Ok, Shifty prend des bons kills aussi. À farm l'équipe de Wiz. Ouais, et les deux équipes, hein. C'est dès que ça change, c'est les deux, ça frappe de chaque côté. Oh, ça ouais. Veut dire que ça va être le endgame en fait. Ah, ça va voilà. Être le 3v3 qu'on attend tous. Hein. Ah là, exactement. Allemande par contre qui a une très très bonne position. Mm. Donc là, ça va être à Soka de garder cette vision claire, d'être bon. Skullface, tu encore, mec. Ouais, il a repris un streak, c'est sûr. Hein. Ouais, il a repris une frappe dans sa tour, il le laisse pas tranquille. Ah ouais, ça doit être, c'est du harcèlement, gros. Et ils ont pris control center, c'est bon ça, ils vont pouvoir agresser le bateau un peu. Et je crois qu'ils cherchent Method Seek sur le toit. Ils savent qu'il est là ou pas, le Method Seek? Non, ils savent pas. Là, oh là là. Et là, ils vont sortir le bateau. Oh. Ce fameux bateau. Et là, les Australiens, ils sont dans l'eau. Ce move qu'il attends, a fait. Teammate. Oh my fucking god. Là, j'aime trop la communication et tout là, c'est beau. Ça, mais c'est alors exactement, ça manque de ça cet event. Ça manque de listening ouais, des comms. Ouais, que d'un seul coup on les entende, tu vois, qu'il y a un petit bonhomme sur Discord. Exactement, j'aurais kiffé entendre leurs comms là, hyper dynamique pour la win, genre. En full concentré, parce que là ils sont à 200% gros, tout le reste de leur énergie ils vont le mettre là-dedans gros, exactement. Histoire de pas avoir de regrets. Ils vont être vidés juste après, frérot, t'inquiète qu'il y aura une bonne nuit de sommeil. Ou de fait. Pas... Oh gros, full prostituée gros je pense. Ouais, Nooms qui tombe. Et Shifty qui tombe parallèlement dans un autre fight. Oh là là. Mais là ouais, oh là là. Ça sent, oh là là. Allemand. Ils sont morts et du coup il n'y a plus qu'Allemand qui est pas très bien placé pour assurer la res là. Non, un peu stressant je pense. Un peu mais stressant, ouais, il y a le cœur qui bat vite je pense là. Et là maintenant on a combat. C'est terrible, j'en ai rien à foutre là de suivre Prodigy. On s'en branle. Navy contre Abewiz, mais peu nous importe. Ok, Isoka qui a failli la coller à. Oh what the fuck? Non. Oh. Allemand est mort et lui Noobs aussi qui est mort par Aidan. Mais par Aidan! Oh, wipe! Le last. Wipe! Non! C'est wipe et c'est eux qui les ont. Oh my god! Ça y est, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Ça y est, c'est bon, c'est sûr.
C'est fini. Oh là là, mais quoi? Le plus gros ennemi de Falcon vient de mourir. Comment ils les ont wipe de cette distance ici là? Ben en fait, quand il est retombé, il y en a un qui a pris le pic. Almond il s'est fait réceptionner. Ouais. Et Skullface, une balle, il était à l'autre bout de la map là. Ah, j'ai vu Sokka qui avait des très bonnes lignes au snipe. Je me demande s'il il lui a pas mis une balle. Eh ben c'est fini, ça y est. Oh, comment ils vont chier dessus, gros. Fnatic éliminé, Falcon champion du monde. À l'EWC Warzone, première édition. Oh my god. Presque déçu. Ah, là, les gars, c'est fini. Hein. Ah, c'est mort. Ils ont déjà plus de kills, plus de points. C'est mort. Ah, oh, mec, presque un peu déçu. Ah, est-ce qu'on aurait pas voulu un peu plus de jusqu'au bout? Après. Et on est des gourmands, hein, parce qu'on en a eu pour notre argent, gros. Dernière game sur 8 games. Script à la Netflix, tu sais. Ah non, putain, ouais. Ah, chat. Est-ce qu'ils ont pas un peu overextend de type c'est Shifty qui lui a mis la balle de snipe. Hein. Ah ouais. Ce que je comprends. Ah, Shifty. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu overextend là sur le bateau alors que l'autre avait plus la tour? Enfin, c'est un peu chelou là ce que j'ai vu. Il voulait faire continuer de monter les kills, etc. Et c'était. La grosse erreur a été le double pic au même endroit. Ouais. Mais après, au bout de 8 games, est-ce qu'il y a encore autant de lucidité? Ouais, mais bon, mec, c'est maintenant ou jamais. Hein, donc là, une équipe comme Falcon, ils ont toujours la lucidité. Donc c'est ça qui fera la diff. Waouh, je suis choqué. Ouais, ouais. Et là, ils montent pas leur tête, mais ils doivent être bien déçus. Bah, ils doivent être déçus. Après, bon. Et Aidan, hein? Non, impossible. Non, crois, pas le, t'es le non, la 50 non. Points d'Aidan. Bah, frère, regarde les kills. Knight 0, Aidan 3. Ouais. Ah, c'est bon, ils prennent leur top 3. Okay. Okay. Je pense que. J'arrête. Connaissant Aidan, connaissant un peu comment ça se passe, ouais. Là ça va focus le top 1. Ils veulent une dernière vibration. Voilà, tu Danny Band full. Avant de rentrer à la maison. Regarde. Là, ça va freeze. Là, ça va jouer le top 1, gros. Ils s'en foutent des kills, etc. Ouais. Donc, ça sera sûrement un affrontement Biffle, enfin, ce Falcon contre eux pour le top 1. Ce serait beau. Un beau 3v3. Aïe. Oh my god, gros. Et la team de Vision qui est placée milieu de zone, qui eux, ils veulent assurer leur top 4-5. Hein. Ils veulent ramener ce bag à la maison. Ils veulent laisser personne rattraper. Là, ils ont raison, hein. Regarde. Bah, regarde-les, gros, les Riyadiens, gros. Aïe, Falcon qui célèbre. Ils sont déjà champions sur le premier jeu. Premier d'une longue série, Intex, what? Hein? T'as vu la feed? 6 kills, gros. J'ai vu. À la même frappe ou truc, ou je sais c'est pas. Quoi, c'est quoi ce bordel? Quoi? J'ai pas compris non plus. Il a pris 6 kills sur un même streak. Ah, c'était il va avoir pas, aucun full là-dessus. C'était que de la frappe. Waouh, il y a plus de redeploy. Il y a plus de redeploy, gros. Donc il y a Biffle et Sokka qui vont vouloir briller. Hein. Oh, Smith contre AG. Oh, il y a encore eu un truc à taper. Encore un truc qui tape. Ça tape dans tous les sens. C4. Oh my god, Aidan. Oh my god. Oh, comment il gagne ça? Allez, Knight. Nice, incroyable. C'est bon, parfait. Incroyable, ce qu'il y a le travail. Ils peuvent aller réa là. Sûr qu'ils ont l'argent. Ouais, ils ont l'argent, c'est sûr. Magnifique le teamplay à l'image de leur parcours. C'est vraiment la team qui s'est illustrée, genre en trio, en teamplay, en trade, en truc. Très 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 beau travail. Excellent. Et là, très bonne pause pour l'équipe. Oula. Oh my god, il tire sur quoi là, gros? Je sais pas, gros, c'est. Il a les yeux dans le dos. Oh là là! Ils y arrivent ou pas? Il y a une équipe en dessous, hein? Il y a une équipe en dessous. Donc là, t'as une équipe en dessous, deuxième, top. Ils ont du PDS. Ah, c'est dur, moi. Aidan qui survit. Aidan qui se bat, gros. Aidan qui. Il veut rien lâcher. Qui fait ce qu'il peut, gros. Il va prendre le deuxième, le toit. Oh là, je sais pas trop quoi faire. Là, je pense qu'il est parti en couille. Panique un peu. Et regarde, s'il n'y a pas un peu d'argent peut-être pour Rez. Ok, PDS sur PDS, non, c'est pas bon mal, ça. Pas si, il y a l'argent, il a récupéré un billet, je pense. On va voir ce qu'il peut en faire. Et il y a encore un PDS côté Sokka. Sokka qui prend deux knocks avec une frappe encore. Ah, la mortar, gros, qui a dû faire très très mal. Ouais. Hein. Voilà, il va pouvoir Rez. Est-ce que c'est... Oui, Knight a la Rez. Hein. Donc Knight pourrait redrop, ce sera un peu bordélique, mais c'est ce qui va se faire, je pense. Tu penses? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité à ça? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité à ça? Je sais pas.
Oh, double non. Réanimation dans le gaz. Oh. Putain, Hisoka, c'est lui qui a le ice. C'est lui qui veut son ring. Mec, double réa dans le gaz. Et regarde, est-ce qu'il va y arriver? Aïe, non, on a qui tombe. Ah, c'est bon. Team White, non? Attends. Non, il y a Soka qui fait la rota gaz, gros. Soka qui a toute sa vie, Biffle et Shifty qui sont morts. Il se prend pour le Père Noël, gros. Soka, il y va, frérot. Soka, il vient distribuer. Boah, Soka qui tout seul met la pression comme s'ils étaient 12. Il récupère l'argent, il va pouvoir raise. Ah, le shop est fermé, non? Non, il va sur l'autre shop. Il va sur l'autre shop. Oh, mais il vient faire deux côtés de la map, gros. 1v1. Non, mais il a gagné. Oui, il va raise la double. Non, mais il a gagné, gros. C'est un mastermind. C'est un mastermind, ce mec. 1v3 maintenant. Et là, il sait que c'est plus à lui. Il arrête de jouer. C'est plus à lui, presque. Il va peut-être courir pour y aller, mais... C'est ses teammates qui doivent... Et le knock. Oh là 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 là. Oh, my fucking god. Quel masterclass. Quel masterclass. Double raise en zone, c'est pas possible. Double raise. Non. Peut-être le mec, il a l'air essoufflé, gros. Il a l'air éprouvé de ce qu'il vient de faire, gros. Shifty, regarde Shifty. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Choke, il a fait l'image choke. Vous avez choke. Oh, oh my fucking god. Oh. Peut-être la meilleure équipe que Warzone ait jamais vue. C'est possible. Oh my lord, chat. Oh là 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 là. Mais dommage qu'on n'entende rien là. Ouais. Oh là là. Choke, il parle du choke de Fnatic, mon dieu. Oh, le storytelling. Là, les gars, ça trash talk. Wow. T'as finir comme ça de la meilleure des manières, avec des clutches à la Soka, frérot. Shifty qui va wipe lui-même Fnatic, Soka qui clutch pour la win. Incroyable. Et Falcon qui remporte le titre sur le premier jeu de la Coupe du Monde de l'e-sport. Quel mastermind, Soka. Attends, mais... Oh, il rentre la clé dans le bag. Ça va libérer le trophée. C'est quoi le truc, là? Oh, la clé. Oh, le MVP qui ouvre la clé. Non. Tu déconnes, frérot. Ils vont mettre le triangle dans le... Attends, what? Oh my god! Oh my god! Team Falcon, god. Ok, d'accord. Par contre, wow. Je te jure que c'est de l'or, gros. Bah, franchement, c'est pas impossible, mec. Hein. Ouais. Ouais. Rien à dire. T'imagines comment là tes épaules elles doivent se soulager, wow. En mode. Ouais. C'est bon, on l'a fait, tu vois. Ouais. Et tu sais, c'est quoi le pire? Tu sais, c'est quoi le pire? Vas-y. C'est que je pense que même pas ce soir, ça y est, ils penseront déjà au World. Ah, mais bien sûr. Bien c'est sûr. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très fort.